Question qu'on attend 3 minutes 30 sur ce boss. Donc voilà. Oui, j'avais encore oublié de remettre mon micro. Je dis encore parce que c'est. Ouais, ça m'arrive pas si souvent, mais ça m'est déjà arrivé, on va dire. Alors. Voilà. Ok, go par là. Ah! Je sais pas pourquoi ça fait ça de temps en temps quand on monte sur Bourrico, on perd notre traviole. Ok, lui c'est fait. Bah pour un subjugueur, il m'a pas posé trop de problèmes. Normalement, ça peut être pénible les subjugueurs. Ta ta ta, panorama, panorama, qui ne sert à rien parce que je l'ai déjà. Ok, par là. Je suis de pierre Belvédère. Tiens donc. Ah carrément Belvédère. On n'a pas de TP à Belvédère, ça veut dire qu'on l'a perdu il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, les murs sont pas forcément avec beaucoup de HP. Hi guys. Voilà, je dis bonjour à la team. Certes. Bon allez. Ah! Ah, c'est bon. C'est pas trop con qu'il s'enfuit par là, mais il est possible que ce soit pas le cas. Ah, il y en a parfois, des fois il panique, il se déco. Alors ça c'est tout à fait surprenant. Non, c'est bon, on l'a eu. Très bien. Ok, on va se remettre à nouveau. Groupe 1. Non, pas groupe, pas du tout. Parce que je n'ai pas de groupe. Escouade. J'ai une escouade. Enfin, si j'ai un groupe, techniquement tout ça c'est mon groupe. L'escouade et le groupe, c'est la même chose, là, vu qu'il n'y a qu'un seul groupe dans l'escouade. J'espère que c'est clair. Voilà, le petit 1 qui est là. Premier groupe. Par opposition à bah, aux autres groupes, mais il n'y en a pas. C'est le lead qui décide ça. Hop là, viens là toi. Très bien. Non, c'est bon. Bon bah... On va juste faire ça pour la rapidité de zone. Ah! Problème. Alors on soigne un petit peu les alliés. Quand j'ai un petit peu, c'est beaucoup parce qu'il y a besoin. Oh putain, oui, du monde qui s'est fait déchirer là. Ils sont au Lord? Ou c'est bon? Ok. J'ai mis la forme brumeuse, comment ça s'appelle? Apparence nébuleuse, carrément. Pour finir l'adversaire au sol sans qu'il puisse m'interrompre. Mais il est mort avant.
Ok. Vraiment, on est plutôt pas mal là. Point de passage d'urgence du rempart stoïque. Vin bleu. Bon, on va y aller, on va y aller. S'il demande de l'aide en urgence, on va aider en urgence. En espérant qu'il soit pas en train de camper le TP. Voilà, je déteste me faire spawn kill. Ok, il s'en va, très bien. Voilà, il m'a poule avec sa lance, je sais pas si vous avez vu ça là. Bien joué! Bon, je m'en tire bien. Il va c'est où? Là-haut? Ouh, ouais, envahisseur de mithril. Il est plus ranké que moi. Bon, au moins on les a repoussés. Bah alors? Voilà. Ah, ça me met juste là, ok. Oui, je pensais que c'était un de ces bons qui me faisait aller loin. Bon, c'est pas grave, on va retourner vers notre groupe parce que ça ne se fait pas trop d'aller dans une escouade et de quitter l'escouade. Genre d'aller sur une autre map en mode ouais, je vous ai rejoint, mais Balek. Non, non, ça se fait pas. Ah, ouais, c'est vrai, on n'a pas de TP là. Faut repartir du haut à chaque fois. D'ailleurs, maintenant que j'y pense. Peut-être utiliser ça là. Vu que je suis. Tant que je suis en roaming un petit peu. Enfin en roaming, j'ai un groupe, mais tant que je suis pas dans un groupe ultra structuré, ça me permet de me déplacer plus vite. Et par moment de gagner en DPS. Par contre, ça recharge en 3 minutes. Mais ça peut être fun. Ok. Ouais, elle est un peu. Ouais, on peut pas dire que les squads soient particulièrement équilibrés, mais j'ai déjà vu des groupes comme ça avoir très bonne performance, alors que c'est considéré comme un truc de la noobitude totale d'avoir juste un gros groupe comme ça. Tu veux descendre et te battre? Bah viens. Allez, vite, 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 parce qu'on est en train de louper une grosse fight là. Putain, ça impacte là-bas, faut que j'y aille. Non, mais ça a l'air d'aller en fait. Ils s'en sont très bien sortis. Mais ils étaient nombreux pourtant, je sais pas où ils sont passés, ils sont décédés beaucoup trop vite. Oh lui, on va avoir du mal à le rattraper, je pense. Ah bah j'ai rien dit, on a eu aucun mal à le rattraper.
C'est juste qu'un LM, s'il joue en double dague, voilà, il a ces trois compétences de mobilité que j'utilise, à savoir le 3 du feu, le 3 de la terre, qui soit dit en passant font un combo, et le 4 d'air, qui est ultra stylé. Franchement, regardez cette compétence, dites-moi que c'est pas la compétence la plus stylée du jeu. Visuellement, je veux dire. Puis en plus, je veux dire, c'est une charge, c'est utile. Il y a un côté attention, j'arrive, qui est pas négligeable. Alors, il paraît que bientôt les cris vont mettre la stab, mais je sais pas si ce sera un perk ou autre chose. Ce sera peut-être à la place de ça. Ou à la place de ça, l'utiliser dans un cri confère pouvoir aux alliés, inflige faiblesse, gna gna gna. Mais du coup, je mettrai plus Rogène et Vigueur. Avec les auras. Mais on verra. Peut être intéressant. Régénération, je le mets avec quoi, tiens? Alors, ouh, ça le met sur moi ou sur les alliés? Soigne et dissipe les altérations des alliés. Ah, mais ça, de façon, régénération vigueur, je le mets avec les mini-sorts. Va falloir voir comment ça se goupille, mais je le sens très très bien. Autant la modification. La prochaine mise à jour, celle qui arrive le 23, elle va me flinguer plusieurs builds de gardiens. Autant je sens que mon LM. Ouh, ça va être cool. Ça va être très très sympatoche. Voilà, ça c'est mon main build d'LM. Et quand je dis que ça fait combo, le 3 du feu et le 3 de la terre. Aura de feu. Et donc l'aura, ça met protection, régénération, vigueur. Donc peut-être plus bientôt régénération, vigueur, mais peut-être de la stab. Ou alors juste les cris pour la stab. Je ne sais pas, on verra. Ce serait bien si ça pouvait ne pas remplacer ça quand même. Voilà, ça c'est bien aussi. Alors, je me fais un petit peu des films, mais si ça pouvait être à la place d'un des... Si ça pouvait être directement, on va dire... Directement intégré au cri, mais ça j'y crois pas une seconde. Ce sera par un perk à mon avis. Mais donner de la stabilité aux alliés, franchement c'est la seule chose qui manque à ce build. Hein. Est-ce qu'on va l'aider lui? Oui. C'est bon, les dégâts de zone sont finis. Ok, le lead arrive. Faut pas trop se séparer là. Allez, on va charger pouvoir. Vous voyez, on charge pouvoir. Petite explosion. Ok, il y en a qui ont essayé de charger avant. Il n'aura pas vraiment réussi. Voilà, moi je m'éloigne. Que je me suis fait totalement focus, j'ai trop monopolisé l'attention. Ah, c'est bon, allez, on soigne, on soigne, on soigne, on soigne. J'aimerais préférer être full life. Hein. Est-ce qu'on peut tenter un truc de foufou? Ah bah non. Ou alors si, clairement on peut. Ah putain, les alliés sont fait démonter.
Ah merde, ça, je reviens pas du coup là-dessus. Bien joué. C'est dommage, avec mon 4, là, j'avais un truc à tenter. Bon, en même temps, là, ils étaient beaucoup trop nombreux. Alors, coucou Yuri et coucou Epicwus. Le seul nerf est sur le mantra, non. En FB, ouais. Alors, le nerf est effectivement sur le mantra élite. Mais le truc, c'est que le mantra élite, c'était. Alors, j'en ai parlé de façon extensive dans le live d'hier. Le mantra élite, donc, c'était un mantra qui avait 3 charges. L'ensemble des charges rechargées en 25 secondes. Maintenant, il y aura 2 charges qui se rechargeront en 45 secondes. Autrement dit, ils l'ont tué, le truc. Plus ou moins. Parce qu'il y a toujours le côté disciple étourdissement pour les alliés qui peut. Tactiquement, il est pas dégueu. Mais bon. Le seul problème, c'est que moi, j'utilisais le perk comme source de célérité pour mettre des bursts. J'utilisais le perk qui fait qu'on a célérité pendant 3 secondes et demie, je crois, avec mon build. Chaque fois qu'on met égide ou stabilité. Et j'avais pas grand-chose qui me donnait égide. J'utilisais pas le mantra égide. Et du coup, ben moi c'était comme ça que je me mettais, que je faisais un burst. J'étais à la hache torche, je lançais l'élite pour avoir ben, la stabilité certes, la résolution aussi, ça mettait résolution, et résolution ça mettait plus de chances de coups critiques et du pouvoir grâce à un perk. Et comment dire, en fait l'élite elle était en symbiose avec un certain nombre de perks, et le fait qu'elle se fasse nerfer, ça réduit considérablement, pas à néant, mais ça réduit considérablement l'intérêt d'utiliser cette élite pour ces percs-là. Moi, en fait, le nerf de l'élite, ça m'a nerf stabilité, résolution, dissipation d'étourdissement, donc ça, normal, ça en fait partie, mais aussi méco critique, pouvoir et célérité. Donc, il y a un build où ça. Il va falloir que je refasse tout le build, en fait. Donc ça, c'est un peu deg là-dessus. Par contre, sur le HFB méta, alors oui, ça va le nerfer aussi. Alors, j'ai pas vu la même chose. Tu dis en monde contre monde, ça devrait pas être appliqué. Moi, j'ai vu que la modification de l'élite sur les notes à venir d'ArenaNet, que la modification de l'élite était en PvE et monde contre monde. Donc, si c'est pas en monde contre monde. Ok, ça peut. De toute façon, il faut que je le modifie quand même parce que c'est un build tout terrain que je fais. Et je pense que justement, l'intérêt, le but, c'était de. Alors, plus ou moins de casser la méta des raids, mais aussi des buffs. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu dans les patch notes. PvE et monde contre monde. Si c'est pas le cas, tant mieux. Mais moi, ça m'emmerde quand même. Enfin bon, on verra. Mais oui, heureusement qu'ils sont pas nerfés autre chose. Je m'attendais à ce qu'ils nerfent le tenez bon aussi, mais bon, non, apparemment pas. Ils l'ont déjà plus ou moins nerfé. Enfin, plus ou moins nerfé. Avant, ils mettaient 6 stacks de stab. Maintenant, ils n'en mettent plus que 5. Mais je dis avant, c'était déjà il y a longtemps. Là, pour le coup, tout le monde a pris le pli et c'était pas un nerf massif, quoi. Par contre là, waouh, Et voilà, moi j'utilisais pour trigger le perk qui me mettait célérité surtout quoi. Et c'était parfait, au niveau du timing, c'était parfait, vu que c'est un perk qui se recharge en 7 secondes. 3 charges en 25 secondes, c'était impeccable. Mais bon. Là ça a beaucoup moins d'intérêt. Je vais devoir utiliser autre chose. Ah bah on l'a capé quand même ça. On s'est pas fait reboot ici il y a genre 5 minutes. Comment ça se fait qu'on l'a capé quand même? Par contre, il y a énormément de changements dans la prochaine mise à jour, mais beaucoup beaucoup pour le PvE. Je scrollais le long des patch notes et j'étais là, je regardais Reaper, PvE. Weaver, PvE, tout PvE quasiment.
Alors, c'était une réponse de Dev sur le faux-faux, d'accord. Tu attends de voir le marteau, lequel, celui du gardien? J'ai pas particulièrement fait gaffe aux notes. C'est vrai que le marteau du gardien, qui l'utilise, quoi. Si c'est pas appliqué en monde contre monde, ça peut déjà être plus intéressant. Mais le truc, c'est que moi, j'essaye de faire des. Alors, là, vous allez me dire, ouais, mais t'es con aussi, il fait pas ça. Et je serais d'accord. C'est que j'essaye de faire des builds qui marchent dans tous les modes de jeu. Et le truc, c'est que, genre celui-là, je m'en sers dans absolument tous les modes de jeu. Et au fond, c'est ce que je préfère, parce que vu que j'ai un personnage de chaque, j'essaye de trouver des trucs qui soient performants dans tous les modes de jeu pour pas jouer plusieurs builds pour tous les persos. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai envie d'en maîtriser, quoi, certains builds. Bon, évidemment, je joue la méta aussi, hein, parce que voilà, quand on intègre un groupe méta qui dit ouais, tu peux jouer telle méta, oui, bah oui, évidemment. Mais donc, ouais, bah. Mais vu le nombre de compétences qui sont différenciées entre PvE et MCM, pas trop le choix. Par exemple, le mantra, je me souviens plus de son nom, mais celui qui met célérité, justement, célérité et pouvoir en gardien, qui est génialissime en PvE, mais qui te met 1 seconde et demie de célérité. En MCM, t'es là. Ouais. Non. Non. Et encore, j'ai 1 seconde et demie, c'est 1 seconde de base sans les. Sans concentration. Après, je les comprends aussi, hein. Les objectifs sont pas les mêmes, les méta sont pas les mêmes. Ça a du sens. Mais encore, quand je dis les méta sont pas les mêmes. Ok, lui il s'en tire bien. Là pour le coup, l'élite HFB, elle était la même. Alors, moi, à moi, la limite, ça me gênait pas que ce soit nerfé pour le build de heal. Parce que j'aime beaucoup utiliser le. Alors, ça me manquerait de pas l'avoir, on va dire, hein, le mantra élite, c'est sûr. Mais j'aime beaucoup utiliser l'élite qui recharge les vertus, tout simplement parce que le F2 et le F3 en Fireband, ils sont surpuissants. Et c'est ce que je jouais avant d'intégrer des groupes méta qui me disent non, non, je joue la méta plutôt. Et j'ai totalement pris l'habitude et c'est jouissif. C'est que des sorts surpuissants et t'as, je sais pas, 15-20 secondes à jouer en boucle des trucs complètement OP. C'est un vrai bonheur. Voilà. Il voulait jouer avec la porte, il serait retombé nez à nez avec des potes de toute façon. Hop là. Mais si ta source c'est des devs sur un foufou, ça fait plaisir. Buff des classes Zerk, ouais. Ça va être pas mal. Vu que si je me trompe pas en PvE, la plupart des builds les plus foufous niveau DPS, bah ce sont pas devenus des builds Condi. Et surtout qu'au final ils sont. Alors. C'est pas forcément vrai pour tous, mais entre guillemets plus facile à jouer. Dans le sens où, par exemple, si tu te fais stun, c'est pas totalement une cassure dans ton DPS. Parce que bah t'as les condis qui continuent à opérer, quoi. Salut! D'accord, je fais demi-tour parce que t'as mis une bulle, y a pas de souci. Ça marche, ça marche. Ok. Mais j'attends de voir, il paraît qu'il va y avoir de la stab sur les cris. Ça, j'attends de voir. Build mecha Zerk overkill. Non, mais ça. En ce moment, tout le monde est là, mais vous déconnez, les gars, quoi. Mais c'est surtout que c'est d'une simplicité enfantine, c'est en auto-attaque, quoi. T'as un 35K de DPS en auto-attaque, c'est ridicule. Ça n'a aucun sens. Ah, il s'est barré. Alors.
Je vais dire l'anque, non, le coquin. Ok, préparons-nous à dash. Voilà. Alors, on va mettre ça sur l'allié aussi. Bon, allez, tant qu'on y est, on joue ça. C'est pas indispensable, je pense. Ouais, pour la mobilité, j'ai un peu paniqué. J'ai surréagi, comme on dirait en StarCraft 2. J'ai pris des défenses. Voilà. Juste ça, j'aurais pas dû l'utiliser. C'est pas grave. Ah, la crité sur le build LM, ça fait tellement plaisir maintenant. Il était déjà, mais tellement fort avant. Sans la lacryté maintenant, bah voilà, il est encore plus. Perso, t'as pas compris la direction d'ArenaNet, surtout avec le mecha? Ouais, je sais pas. Perso, je me dis, c'est peut-être que. Alors, je me trompe peut-être là-dessus, hein, parce que je suis pas spécialiste du haut niveau PvE, mais il me semble qu'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant en ingé, en PvE en fait. Enfin, personnellement, pff, que ce soit Lolo ou le scrapper, à la limite, mais si t'as vraiment besoin d'une backline type FCM, on va dire. Mais le Lolo m'avait jamais vraiment convaincu. Peut-être parce que je savais pas le jouer, que j'ai pas trop passé le temps dessus. Je gère un ou deux builds de Lolo, mais c'était pas ma came. Ils se sont dit, ok, on va faire un truc où on peut pas contester le fait que ce soit puissant. Eh bah, personne conteste. Ah, c'est clair. Mais oui, c'est pété. Mais surtout le fait que ce soit pas mis à jour. Alors après, il y a toujours une possibilité. C'est de se dire que c'est la vieille strat du. On a sorti une extension. On met un truc complètement OP dedans pour que les gens achètent l'extension. On attend quelques mois et on fait genre, ah oui, dis donc, c'est trop puissant, on va le nerf. Ah, et pas impossible qu'il y ait une magouille dans le genre. Ok. Belvédère, Greens in Inner. Sans déconner. On va aller voir. Si c'est ça, c'est mesquin le coup de. On met un truc OP pour vendre l'extension et après on nerf. Mais bon. On sait jamais, hein. Ça peut être ça. On va se mettre ça pour déconner. Non, quoique, en fait, j'ai pas besoin d'élite avec ce build. C'est le truc aussi. Il y en a trois qui sont très très bien, qui rajoutent vraiment quelque chose, mais il n'y en a pas vraiment besoin. On va utiliser ça pour déconner. Les compétences raciales, personne ne les utilise parce que bah, ils se sont rendu compte, les devs, que c'était une idée à la con, dans le sens, pour jouer le build, il faut avoir un perso d'une certaine race en particulier, s'il y a une compétence raciale dedans. Donc ils sont là, non. On va lui laisser le temps de recharge à 3 minutes. Par contre, la durée 15 secondes qui met givre et empoisonnement à chaque seconde derrière. Ah non, c'est sympatoche, c'est très sympatoche. Alors les gars, vous êtes où? Vous êtes que ça? Parce que moi je viens pour vos petits culs, hein. Ah!
Me suis pas soigné à temps. Alors, est-ce que je... Non, voilà, merci, merci l'allié. Ah, j'avais le show, mais en même temps, j'avais pas tort de le faire. Ça passait plutôt pas mal. Ouais, tu vois, les mechas, on commence à en voir aussi en MCM. Alors que c'est clairement pas OP pour le MCM. Dans le sens où bah, le mecha, en bus contre bus, il se fait défoncer à grande vitesse. Mais par contre, en roaming et en petit groupe, je veux bien comprendre la logique. Mais en bus contre bus, jamais ça deviendra méta, quoi. Voilà, ça tombe. C'est bon. Ah, refermer de l'intérieur aurait peut-être été mieux. Bon, au moins on peut réparer d'ici, c'est pas mal. Voilà, 25 de ravit, bien investi. 29 de ravit. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, poteau? Bah alors le mecha? Et c'est aussi le fait de pouvoir mettre un truc abusé chez le mécaniste, de pouvoir mettre en auto-attaque ces trois compétences. Même si j'ai l'impression que la 2, vu qu'elle est anti-étourdissement, faut la jouer en manuel plus ou moins. Enfin, faut la jouer en manuel. Il la joue, si je dis pas de conneries, il la joue automatiquement, mais pour la compétence de, pour la fonction de dissipation d'étourdissement. Pas pour les autres fonctions éventuellement associées, genre la stab et des trucs comme ça. Ce qui est dommage. Enfin, ce qui est dommage. Non. Mais de pouvoir jouer les trois en auto-attaque, c'est un peu pété, quoi. T'imagines si on pouvait mettre toute la barre en auto-attaque? Déjà avoir deux compétences en auto-attaque, c'est un peu pété, quoi. Mais j'ai jamais regardé, tiens. Est-ce que sur le rôdeur, on peut mettre la compétence de familier en auto-attaque? Parce que du coup, ça aurait totalement du sens. Le mecha, c'est un familier, c'est la même chose. Ah, c'est intéressant ça. J'ai jamais pensé à le faire. À mettre le familier en auto-attaque. C'est quoi ça? Carpaccio de bœuf, donc ça c'est Condi. Là, c'est deux trucs pas méta, tiens. Coq au vin, sauce salsa. Ouais, non, moi je vais rester sur les huîtres sphérifiées. Alors, si un jour au resto on me dit oui, aujourd'hui nous vous recommandons les huîtres sphérifiées, je serai là. Non, 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 merci. Je passe mon tour. Limite, j'ai plus faim en fait. Voilà. Mais dans le jeu, la plupart du temps, c'est ce que j'utilise, c'est la bouffe céleste. C'est le. Hop là, reviens là. Ah, ça me le montre pas là, d'accord. Est-ce qu'elles sont bien? Bah, je peux le montrer dans l'inventaire. C'est ça. Soupe d'huîtres sphérifiées épicées au grain de poivre. Ah, le plus 45, toutes les caractéristiques et dégâts subis moins 10%, il fait plaisir, franchement. Ça, c'était drôle. Je suis sûr que ça les a bien fait chier en plus. Ah, je vais garder ça un peu, tiens, pour le lol. Bonjour! C'est l'huissier. C'est pas une illusion ça? Non, c'est un rôdeur. Quand on voit quelqu'un qui bouge comme ça, on bouge pas. En général, c'est voilà, l'illusion d'un LM. Ah, ça, c'est une illusion. Bonjour. Ok. Allons voir par là-bas. Ok. Oui, on va rester le poteau parce que on est collectif. L'essence même de Guild Wars 2 est collective, hein. On va pas se le cacher. Chose que j'aime bien dans le jeu. Et ils ont réussi à faire un truc ultra collectif tout en
en nuançant, même en faisant plus que de nuancer la notion frontline, midline, backline. Genre là, mon LM, c'est quoi, frontline, midline ou backline? Rien à voir. C'est au corps à corps. Il y a du soin, il y a de l'anticondi, il y a plein de choses différentes. Bon, par contre, je me suis pris un étourdissement un peu sale. Est-ce qu'on courrait pas un peu après parce qu'on est des barjots? Non, peut-être pas. Pas de mini-pète en MCM! Ça appartient au mec qui a un légendaire là? Ouais. Mais mec, mais ça sert à rien d'avoir des légendaires si tu mets ton mini-pet en MCM. Légendaire, c'est censé être le truc ou comment dire? On le regarde, on se dit waouh, quel chevalier expérimenté qui se graine à apprendre des choses. Mais tu le vois avec le mini-pet en MCM, t'es là, non, en fait, il a rien à apprendre à personne. Non, c'est pas la peine. Oui, voilà, je sais qu'il y en a parmi vous qui sont en train de prendre des notes. Vous faites bien, hein. Pas de mini-pet en MCM. Alors pourquoi? J'explique au moins pour le principe. Parce que ça donne votre position quand vous êtes furtif, tout simplement. Vous savez que si le mini-pet il est là, et qu'il se dirige dans cette direction, genre vers la porte, et que le mini-pet il est là, bon bah vous savez que le gars il est là et c'est là qu'il faut taper. Voilà, c'est. Je me souviens m'être fait insulter en message privé par un gars. En plus c'est un voleur, donc il a de la furtivité en natif le gars. Il devrait le savoir que ça révèle sa position. Autant quand t'es genre t'es en écrement. T'as pas de moyen de te mettre la furtivité. Tu dis bah oui mais ça donne ma position, de toute façon le mec il me voit. Oui mais non, les alliés peuvent te mettre la furtivité. Surtout si t'es dans un bus. Et ça c'est encore pire, t'es dans un bus, le bus se met en furtif, t'as le mini-pet non seulement il donne pas juste ta position, il donne la position de ton bus. C'est pas possible, faut pas faire des choses comme ça. Et donc un gars qui jouait en voleur comme ça, je le démonte bah, exactement pour cette raison, parce que je voyais son mini-pet, je savais à peu près à quelle distance il était devant le mini-pet. Il me fait, ouais, tu hack et tout, tu m'as vu alors que j'étais furtif. Non, je lui ai expliqué, j'étais là, non, non, c'est ton mini-pet. Si j'ai la position et la direction de ton mini-pet, j'ai ta position et ta direction. Le mec était là, ah oui, effectivement. Bah je vais l'enlever. Ouais, enlève le poteau, enlève-le. Hop. C'est pour ça que du coup j'en utilise plus même en PvE des mini-pets. Parce que je viens tous les jours en MCM, on va dire. Et j'ai qu'une hantise, c'est d'oublier de l'enlever quand j'arrive. Donc du coup, moi je le mets pas, c'est plus simple. C'est dommage. Alors j'ai pas une grosse collection. C'est sur Guild Wars 1 où j'avais une grosse collection de mini. Les miniatures, ils sont où? Ouais, j'ai quasiment rien. Enfin, quasiment rien. Voilà, ça. En 10 ans de jeu, si, il y a celui-là qui est trop mimi. Un chat avec un tag de commandant. Si ça, c'est pas classe. Franchement. Genre, même mon familier, c'est un commandant. J'adore le principe. Celui-là, il est trop cute. J'ai quoi? Il y en a que je connais pas, là. Ah, Ventari, tiens. Souvenir de la jungle de Maguma dans Guild Wars 1. Ah, le chat normal. Et le chamandant. Voilà. Comment il s'appelle d'ailleurs? Mini chamandant, c'est exactement ça. Sinon la boule de neige, c'est. Pourquoi pas, mais bon. Ça pour un nécro, c'est pas mal. Le petit poussin mort. En mode mais si, je suis pour un nécromant, c'est trop mignon. Ah, tous les autres, c'est là. Ah, ne m'approche pas, abomination, va des rétro satanas. Pour un nécromant, non, non, c'est tout à fait mignon. Allez, on passe sur le bâton, pour déconner. Parce que le bâton, c'est bien pour aller taper les mortiers. Voilà, ça va chercher un peu loin aussi. C'est vraiment le 2 de la terre et le 5 du feu pour aller dépop des trucs comme ça. Ah, j'aurais pu le jouer une fois de plus. Il est dépop le mortier là? J'ai l'impression que oui. Très bien, je peux rechanger d'arme, je reste pas bloqué sur le bâton. Faut savoir jouer avec le bâton aussi, hein.
Parce que bah, quand tu commences à dépop des trucs, des chariots de flèches, des trucs comme ça avec le bâton, ce qui fait totalement partie du rôle, bah, tu peux te retrouver à rester en combat jusqu'au vrai combat. Donc faut savoir jouer le bâton aussi avec. J'aime bien le LOL, j'en ai au moins 10 fois plus, bah ça m'étonne pas. Là c'est vraiment parce que comme je te dis, j'en utilise jamais, littéralement. D'ailleurs, sachez-le, je pense que vous le savez, il y a un mini pet, vous savez l'espèce de dragon chinois, qui était offert quand on s'inscrivait sur le service d'identification du compte de je sais plus quoi, de Google ou quoi, Google Authenticator, un truc comme ça. Je sais pas si on pouvait le gagner autrement, mais moi c'est comme ça que je l'avais eu. Et en fait, un jour, j'ai eu un problème avec Google Authenticator, c'est-à-dire que je voulais réinstaller le jeu sur un nouveau PC, et il me demandait de me réidentifier, je sais plus quoi, mon compte ArenaNet était pas reconnu, bon, pourquoi pas, j'essaye de rassembler tous mes mots de passe, jusqu'ici tout va bien, je retrouve toutes les informations liées à ArenaNet, mais là, il me demande, veuillez saisir le code Google Authenticator, et moi je suis la merde, je m'en suis jamais servi de ce truc. Et du coup, Google Authenticator qui me dit veuillez rentrer le. On va réinitialiser votre mail, on va vous. Votre mot de passe, on vous a envoyé un mail sur l'adresse que vous avez utilisée pour Google Authenticator. Ah merde. Bon bah ouais, attaque surprise! Seulement, le problème, c'est que c'est un mail dont je me servais plus. J'avais plus accès à ce mail, j'ai plus aucune idée des mots de passe et tout. Au bout d'un moment, j'ai fait bon, fuck, j'envoie un mail à ArenaNet. Je leur dis, Google Authenticator, ils m'emmerdent, ils sont pas gentils. Puis est-ce qu'il y a moyen de s'en passer? Je vous envoie toutes les informations que j'ai de chez vous, numéro client, tout ce que vous voulez, des copies d'emails que j'ai depuis 10 ans. Putain, tous les pouces de verre, notre groupe, il s'est fait retourner. Voilà, et ils ont fait, ok, on a désactivé Google Authenticator, vous n'en aurez plus besoin. Bah très bien. Et du coup, je suis allé voir par curiosité si j'avais gardé le mini-pet, et ben oui, j'ai gardé le mini-pet. Donc Google Authenticator n'a plus accès à mon compte, mais j'ai quand même le mini-pet lié à l'inscription. Voilà, je m'en sers pas, mais j'ai eu l'impression d'avoir un peu baisé le système, si vous voyez ce que je veux dire. Je n'utilise pas le produit pour lequel j'ai eu un mini-pet en contrepartie, en fait. Je vais vous montrer le temps qu'ils reviennent. Tout le monde voit de quoi je parle, mais j'ai quand même le montrer au cas où. Il est où? Lui. Voilà. Qui est stylé en vrai, hein. Puis il est énorme. Il est super long le truc. Et en vrai, il est stylé. Mais voilà. Je sais pas si vous l'avez eu par un autre moyen qu'en utilisant Google Authenticator. Mais je sais que moi, c'est comme ça que je l'avais eu. Il n'y avait pas d'autre moyen à ce moment-là. Hop là. Tiens ça. Non, maintenant j'ai deux dagues élevées, donc ça, je m'en sers plus. Ok. Très bien. Thanks for the lesson, but no, no, ok. Le lead. Ah non, le lead est pas parti, le lead est là-bas. Ah, on va se remettre de la bouffe. Hop, bon, on va la mettre au TP. Ah mais non, il n'y a pas de TP là-haut. Ok. On va la mettre là. Pour qui veut. Ah, la bouffe élevée, ça fait toujours plaisir de partager, parce que c'est fait pour ça. Voilà, Céleste, Condi, dégâts bruts et soins. Évidemment, quand on a plein de persos, les mettre dans des emplacements d'équipements partagés, c'est tellement un plaisir d'avoir tourné à la banque à chaque fois. Tu dis, toi, tu l'as eu pour lier ton compte avec ton numéro de téléphone et puis t'as demandé à Renette d'arrêter, mais t'as gardé le pet. Ok, bah pareil, tiens donc. C'est marrant ça. Bon, ils ont recueilli des infos aussi au passage, mais j'ai envie de dire très bien, donc c'était pour un autre moyen. Ouais, ça revient pour impacter là encore. Est-ce qu'on peut attraper un retardataire? Oui, lui non. Ah merde, il est trop loin. Venez là, venez là, venez là. Non, ok. Ouais, par contre, là, j'ai plus de. Voilà, si j'ai ça. Pour la mobilité.
J'ai envie d'aller les faire chier, mais si les autres là-bas ils reprennent pas l'attention, j'ai à peu près aucune chance de faire quoi que ce soit. C'est totalement un build pour faire le voltigeur autour du bus ennemi. On peut être dans notre propre bus parce qu'on met plein d'avantages aux alliés, mais c'est aussi très utile pour y aller plus ou moins en solo, mais dans les mêmes fights en fait. Pour essayer d'attirer l'attention des gars qui sont un peu dans le bus ennemi. Ouh, viens là toi, viens là, viens là, viens là. Venez les gars, venez les gars. Je vous pécho. Ouais. Mais je vais pas le faire. Parce que vous êtes trop rapide pour moi. Bonjour le lead. Il a de l'acier dans les idées, je pense. Ok. Ah, ils vont recharger là, mais direct. Salut. Ils les utilisent pas. Ah, mais si, justement, c'est peut-être comme ça qu'ils arrivent en fufu à chaque fois avec les autres dissimulatrices. Alors pour info, si vous mettez l'aura de givre sur des alliés et qu'ils se prennent des dégâts du genre bah cela, bah ça met givre sur les armes de siège, type les chariots à flèches et compagnie. Ce qui est toujours super pratique. Par contre, si quelqu'un pouvait prendre le bélier là, merci. T'inquiète, on te couvre, poteau. Si j'avais le cri aura de givre, je pourrais quasiment la mettre en boucle à tout le monde. Et mine de rien, ça fait 10% de dégâts en moins. C'est pas dégueu non plus. Si on cumule tout, hein, ça, la protection et le moins 10% de la bouffe, ça en fait de la réduction de dégâts. Alors sachant que j'utilise pas de build, le build de métal, j'utilise pas la barre feu par exemple. Ouais, on s'est fait un peu couper en deux. Et quand je dis un peu, c'est on s'est fait salement couper en deux. Ok, ça monte, évidemment. Non, non, faut pas jouer la tortue, ça marche jamais. Hein. Enfin, jamais. C'est souvent une idée de merde, on va dire. Voilà, rapidité de zone. Ok. Pourquoi j'ai cliqué sur feu? C'est R mon opener. Alors après, il y a plusieurs façons de le jouer évidemment, mais en général l'opener c'est ça. Parce que ça, tout s'enchaîne bien en fait dans cet opener. Il y a l'étourdissement là, il y a la projection là. Derrière, on peut passer feu. Un autre opener, c'est évidemment, si vous avez joué Tempest, vous le savez, c'est la surcharge de feu qui charge pouvoir, qui peut être très très sympatoche aussi. Combien de temps? Oh, 4 minutes 40, d'accord, on arrive juste après la bataille.
Et c'est un build full céleste. D'ailleurs, je suis en train de transférer. En fait, vu que j'ai un perso de chaque et que j'ai quasiment pas de légendaire parce que je m'en tamponne un peu le coquillard, j'ai une armure élevée par personnage. Et quand je change de main build sur un personnage, c'est quoi? Manger? Non, mais je mange pas un truc que je connais pas. Qu'est-ce que ce truc, mec? Alors je dis pas, ça a pas l'air dégueu. En plus, ça a l'air végétarien, ça. Et quand je change de main build, je change les stats de l'armure élevée. Tout simplement. C'est pour ça que là, je suis en transition entre. Voilà, j'ai une pièce, deux pièces qui ont été faites déjà. Et. Ah, trois! Non, deux, pardon, je suis con, c'est la même. Voilà, j'en ai encore quatre. Ah, trois. Ça, c'est bon. Trois à repasser. Mais pour les célestes, il faut des cristaux de quartz chargés. Et c'est limité en nombre de pièces qu'on peut prendre par jour. Donc c'est un peu pénible. Mais bon. Je trouve que les spé élites de la dernière extension favorisent énormément, pour la plupart, le céleste. Hey, coucou Ezekiel! Encore une fois, t'as pas reçu l'alerte. Et eh ben, encore une fois, ça me surprend. Parce que moi, j'ai vérifié de mon côté, il n'y a rien de plus que je peux faire pour mettre l'alerte. Dans le sens, elle y est, quoi. Elle est activée. Ouais, l'alerte, c'est Avaceris a commencé à diffuser en live. Elle a écrite, je la vois là. Mais c'est peut-être un truc qui est indépendant de ma volonté pour le coup, comme on disait l'autre fois. Peut-être qu'il limite le nombre d'alertes qu'on peut recevoir en même temps. Pareil, hein, maintenant que tu m'y fais penser, je suis abonné à plein de chaînes et je reçois rarement des alertes. Mais alors rarement, vraiment quoi. Je sais pas à quoi c'est dû. Faudrait que je creuse un petit peu parce qu'effectivement ça pourrait être. Enfin, si je voulais absolument faire les choses de très très propre et de façon ultra professionnelle sur la chaîne, il serait hors de question de ne pas investiguer cette question. Après, ça fait partie des choses que je noterais. Lay rigueur, plus tu passes ici, moins t'en reçois. LOL! Je pense que c'est un filtrage Twitch parce que t'as reçu un mail pour un streamer chez qui tu vas jamais. Oh bah putain! Un mail carrément. J'aime bien le plus je passe ici, moins t'en reçois. Tu dois jamais en recevoir alors là, vu que tu passes tous les jours. Mais je ferai un petit point. Tiens, d'ailleurs, vous allez peut-être pouvoir m'aider là-dessus. Je ferai un petit point. Ça fait donc 5 mois que je stream à peu près. Dans un mois, j'en serai donc 6 mois logiquement. 5 plus 1, 6. Jusqu'ici, tout va bien. Je m'étais toujours dit, au bout de 6 mois, je ferai un premier point vraiment pour voilà, toutes les choses qui vont pas, qu'est-ce que je peux améliorer, etc. Si vous avez des remarques en l'occurrence en cet instant, voilà, moi je prends vos expériences, vos retours d'expérience utilisateur. Je suis totalement preneur. Il y a 1000 choses que je peux améliorer. Je sens que je vais faire une liste des choses améliorables. La liste, elle va faire 3 km de long. Et je vais être là, putain, j'en ai pour 3 mois à bosser tous les jours à tout améliorer, quoi. Et le tout pour gagner 5% d'efficacité. Et le plus difficile pour une chaîne Twitch comme pour une chaîne YouTube, c'est d'en faire la promo en fait. Tu peux avoir du très bon contenu si personne sait que ta chaîne existe. Bah personne va aller la voir. Hein. C'est pas comme si les gens faisaient. Allez, genre sur YouTube. Qui a fait ça? Personne. Allez sur YouTube et vraiment pour taper des mots-clés pour repérer les nouvelles chaînes qui sont. Non, tout le monde s'en bat les couilles de ça. C'est pas comme si on avait du temps à dépenser en rab dans nos journées. Seul bémol pour le moment, c'est le volume de la voix un peu faible. Tu veux, je t'enverrai des liens en MP pour comparer. Oui, ou alors je compare tout à fait. Quand tu parles d'alerte, ce sont des courriels, d'accord. Ah. Mais c'est la voix comparée au jeu. Parce que là, moi, je regarde ma voix sur le côté. Quand je parle, normalement, c'est déjà dans le jaune. Il faudrait pas que ça soit dans le jaune. Normalement, le jaune, c'est quand je crie. Mais quand je crie comme ça, c'est dans le rouge. Et il ne faut pas.
Donc, est-ce que c'est par rapport au jeu? Parce qu'à ce moment-là, c'est peut-être question de volume à mettre de votre côté aussi, non? Je sais pas si les trucs sur mon casque peuvent arranger quoi que ce soit. Attends, je regarde 2 secondes. Alors, je sais pas si cette molette peut changer quelque chose, mais je suis pas sûr, hein. Je crois que ça va rien changer au son interne. Ça change un truc là, ou pas? Si je bouge la molette comme ça, est-ce que ça change quelque chose? Il me semble pas, mais vous me dites, hein. Si c'est aussi simple que ça, tant mieux. Voilà, volume de la voix sur Twitch, je pousse à fond et tu dois modifier ton setting, tort général, tout baisser. Ok, oui, non, ça change rien, évidemment. Bon, ça aurait été trop simple que ça résolve tout comme ça. Mais ça, c'est un peu relou. Il faudrait que. Ouais, bah ouais, par rapport au son. J'utilise pas de table de mixage. Ça, c'est totalement une chose, justement, que je pourrais rajouter. Voilà, ça fait partie de la professionnalisation de la fonction. Pour proposer des programmes toujours de la plus grande qualité. Comment ça, on dirait que j'ai bossé dans la publicité? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Ça me manque un peu parfois la pub, parfois. Mais c'était un métier marrant, pour le coup. Ah, ça faisait partie de ces métiers où, comment dire? Limite, t'as le droit d'arriver défoncé au travail parce que t'es un créatif. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, la pub. Il y a 1000 métiers dans la pub. Mais quand t'es un créatif, t'as le droit. Enfin, t'as le droit. Faut pas que ça gêne le client, quoi. Mais ça gênera jamais ton directeur de création. Parce qu'il est défoncé aussi. Lol. Ceci n'est pas un encouragement à prendre des substances qui rendent bête. Pour la simple raison que ça rend bête. Très bien. Oui, la drogue, c'est mal, je suis d'accord. Je suis bien d'accord, la drogue, ce n'est pas bien, il y a. C'est absolument une mauvaise chose. Je ne sais pas pourquoi je le dis avec un accent allemand et honteux. Ah si, je sais, c'est parce que c'est un accent qui correspond à la façon dont tu l'avais écrit. La troc, c'est mal. Hop là. Alors attends, pendant que ça capte, je vais regarder le mixage. J'espère qu'on va pas nous charger pendant ce temps-là. Option avancée. J'ai perdu. Tiens, ça c'est la voix. Propriété audio avancée. Ah, alors, ah non, ça c'est gauche-droite. Ah! Attends. Est-ce que ça change les choses? Volume en pourcent. Là, est-ce que ça change les choses? Laissez mieux là ou pas? J'ai changé deux trois options. Que j'avais baissé en manuel chez moi, que j'aurais pas dû. Là, normalement, ça devrait être limite un tiers plus fort en fait. Donc c'est peut-être trop fort maintenant. Non, ça change rien. On va bien voir. Il se trouve, c'est juste un truc tout con à faire comme ça. Ce qui serait. Qui n'empêche pas d'avoir une table de mixage pour faire des trucs sympas, mais bon. Le truc, c'est que personnellement, j'ai toujours gagné 0 € hein, depuis le début. Donc, ça fait 5 mois et tous les jours en bossant tous les jours. Donc, si je pouvais éviter d'investir dans des trucs qui sont pas indispensables. Tu penses que c'est mieux, mais il faut voir avec la pratique, d'accord. Ouais, bah, j'ai changé des chiffres. Là. Le problème avec le son du jeu, par contre, c'est que parfois, genre là, il n'y a quasiment aucun bruit.
Et on va se retrouver dans une fight, ça va gueuler de partout. Donc du coup, ben, un peu obligé de limiter, quoi. Je peux pas avoir. Alors, ça existe sans doute. Mais je peux pas avoir un. En tout cas, je sais pas comment faire, je suis pas un G-son. Un réglage qui fasse que plus il y a de bruit de jeu, plus le volume voilà, est atténué. C'est sans doute, c'est forcément possible, d'une façon ou d'une autre. Mais alors ça, est-ce qu'il faudrait un logiciel spécial ou d'autres trucs? Je ne sais pas, je ne connais pas. C'était l'avantage en publicité, c'est que je bossais avec un directeur artistique. C'est lui qui s'occupait de la tech. Moi, j'avais juste à trouver les idées, à écrire des mots et expliquer les concepts. J'avais zéro tech à maîtriser. Tu vois, à la limite, Word. À la limite. Je dis ça comme si j'en avais fait pendant des années. Non, j'en ai pas fait pendant longtemps. Ah, mais ça met. Attends. Oui, ça met Rogène, ça. Ok, guérison Rogène. Très bien, quand on l'explose. C'est parfait. Perfecto. Hop là, petite guérison de zone. Une petite zone d'eau. Une petite explosion. Et la vie est belle. Ah, bah dis donc, y a même plus rien à soigner, dis donc. Je dis deux fois dis donc, dis donc. Alors, est-ce qu'ils vont encore nous couper en deux comme tout à l'heure? Pour le moment, on s'auto-coupe en deux, hein. Un groupe au lead, un groupe au kata. Moi, je suis plus utile là, parce que c'est la cible principale. Même si, là, vous remarquez que les boucliers, ça stoppe les dégâts des chariots à flèches. Ouais, non, la table de mixage ne presse pas non plus. Ouais, ça c'est. Ok, alors, on va se casser un peu déjà. On charge pouvoir par le pouvoir de pouvoir. Ah mon Dieu. Je sais pas qui m'a. C'est moi ou c'est quelqu'un qui m'a soigné? Alors, premier impact, il a fait mal, malheureusement. Tout le monde va devoir se replier. Alors, quand on essaye de s'enfuir, givre, c'est toujours sympa. Parce que les gars qui te tapent, ben, sont ralentis. Voilà, là, on met les. Bah, pourquoi pas. Tant qu'il me pousse dans la bonne direction, moi, j'ai rien contre le fait de me faire pousser. Hop là. Ah, dans ces circonstances-là, le drame, c'est de se faire grab. Merci pour la fufu, ami en voûte. Vous voyez, là, j'aurais un mini-pet, il saurait où je suis. Là, non. Ah là là, c'est mécaniste, c'est écœurant. Hop là. Je pense aussi que j'établirai un programme plus clair au niveau des horaires. Pour le moment, c'est vraiment un stream début d'après-midi et un stream fin d'après-midi, début de soirée. Je pense que je trouverai, je ferai quelque chose de plus clair. Mais attention à ne pas sortir cette phrase de son contexte. Oui, ah bah ça. Tu m'étonnes. Ce qui me fait remarquer, je dis souvent cette phrase. Mon Dieu, est-ce que j'aurais, sans le vouloir, trouvé des catchphrases? Alors, je reboot mon. Ne postez rien dans le chat pendant 2 secondes. Je reboot mon écran de contrôle. Qui a frisé, je ne sais pas pourquoi. Très particulier, voilà. Ah, c'est bon, nous pouvons à nouveau communiquer. Et nous pouvons donc à nouveau élaborer nos plans communs de domination des mondes. Par exemple. Après, ça presse pas à la minute. Hein.
Alors on a quand même que deux Firebrand, hein. Pour tout le groupe, c'est un peu chouchou. Putain, mais regardez-moi tous ces mécanistes. Sans déconner, est-ce que c'est pas la profession la plus représentée là? Enfin, l'aspect la plus représentée, je pense. Non, 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 ok. Heureusement, il y a les scourges, c'est déjà ça, les fléaux. Qui sont très très beaux en debuff. Mais deuxième, c'est eux. C'est une honte! Il va vraiment falloir qu'il fasse quelque chose. Hein. Mais moi, déjà, de base, le mecha, ça me saoule. D'avoir un mecha, en fait. Tout simplement. J'ai beaucoup joué le rôdeur. Et le truc qui me saoulait, c'était d'avoir un familier. Alors, quand l'animorphe est arrivé, on pouvait fusionner avec. On n'avait plus cette espèce de gamin turbulent qui nous suivait partout. Moi, j'étais très content. Et là, bam! Eh, nouvelle spé! La plus puissante! Eh, t'as un machin, t'as un bébé suicidaire à côté de toi. Eh, faire gaffe. Ouais, sinon il aggro les boss, t'inquiète, il lance des trucs, il fait chier le monde. Ah, il pousse les bulles dans les missions d'attaque, si vous voyez de quoi je parle. Alors évidemment, non, faut t'appuyer sur le bouton, voilà, par exemple. Et il s'en va, mais bon. Ah, alors, ils sont passés sur. Là? Je sais pas si vous avez remarqué pendant la bêta les un humour tendancieux sur la chaîne. Non, pas du tout, pas du tout. Ouais, d'ailleurs, pour ce qui est d'avoir une ligne éditoriale à ce niveau-là, en se disant alors est-ce qu'on essaye public familial ou quoi, j'ai vite abandonné ces idées-là, hein. Parce que si on fait attention à ce qu'on raconte, c'est relou à faire en fait. Mais bon, n'étant pas plus vulgaire que ça de base. Bon, bah un petit peu de temps en temps, c'est pas comme si c'était le fond de commerce de la chaîne non plus. Ouais, puis on. Voilà, c'est bien qu'on ait tous un petit côté taquin, ça témoigne d'un esprit critique, hein, je trouve, tant que c'est pas du taquin à base de troll, quoi. Hop là. Oui, prenons Ravit, hein, tout à fait. Il en reste 69, malheureusement. J'ai cassé cette belle harmonie, mais c'est pas grave. 59, c'est bien aussi. Ça ne veut rien dire, mais 59, c'est bien aussi. Non, ceci dit, j'ai pas l'impression d'être si tendancieux que ça, remarque. Est-ce que tu as des exemples concrets? Je ne sais pas. Mais. Ah, j'essaye de faire plus des sous-entendus que des. T'as vu? Voilà. Je sais qu'il peut y avoir des petits qui regardent la chaîne, dans le sens où. Alors, je fais majoritairement de Guild Wars 2, mais un petit peu de Super Mario Maker 2. Et ça attire un public plus jeune. Donc, si d'aventure ils viennent aussi le soir pour le Guild Wars 2, bon, j'ai pas envie d'être. Comment dire? À chaque fois que j'imagine. S'il y a un petit jeune qui est en train de, dans le sens moins de 10 ans, hein, qui est en train de regarder, et que derrière il y a un de ses parents qui est en train de légitimement vérifier qu'il n'est pas en train de regarder quelqu'un qui lui met des conneries dans la tête, est-ce que ça passe? Voilà, c'est mon filtre de validation. Ah, attends. Ah, il y a Teto qui est là. Teto, c'est le lead de la guilde. Donc il lead aussi les raids. Is cool down, where are you yet? Yes, hi, 24 weeks. To wave again for 1 week, ok. In 4 days, un mec, dommage. Apparemment, dans. Alors, je sais pas si c'est sur toute la France, mais apparemment, dans 4 jours, il y a une vague de chaleur qui arrive pour une semaine. Ah, il dit good evening, on va dire good evening. Hey yo, Teto. Squad. Ouais, voilà, pas grave le. Ah, on avait connu des comme ça. Mais que je connaissais qui étaient des vannes graveleuses, c'est quand j'étais au lycée, je faisais partie de l'équipe de rugby du lycée. Putain, l'entraîneur. Ah, c'était fatigant, c'était lourd, mais. Alors que pourtant, on était des ados, donc tout ce qui est gras et qui est un peu en dessous de la ceinture, ça nous. Bon.
C'est pas censé nous déranger de base. Mais là, c'était trop, quoi. C'est dire à quel point c'était beaucoup. Ah, mais je suis con, moi, depuis tout à l'heure, je peux leur mettre de la lacryté à eux. Ça fait totalement partie des choses à faire et je le fais pas. Je n'utilise pas bien mon build, ce n'est pas bien, alors que je l'ai fait moi-même. Lui il est dedans ou pas? J'ai tout le monde là? Oui, lui il est là, lui il est dedans. Lui? Il est dedans aussi, très bien. Ah, lui il est pas dedans là, la zone elle est plus courte. Ah si, ça lui met. Ah, ça met plus loin que la zone visible. J'aurais pas cru. Ah, très bien, on va pas se plaindre. Bah alors? Comment ça, armure du chaos de zone? J'ai pas fait d'explosion. Enfin, si, mais pas à ce moment-là. Putain, faut le fumer vite, 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 vite. Voilà, là on a plus, ils ont plus le choix, ils doivent rentrer. Allez, si on peut se les fumer là. Non, on n'a pas capé là. Non. On n'a pas du tout capé. Il est très probable qu'on ne le fasse pas. Putain, ils ont des pop un nombre de monde là. Ouais, bah le lead il saute, mais pas tarder à sauter au sens comme du maïs quand tu fais du popcorn quoi. Oh le Moa, ça faisait longtemps. J'aime beaucoup cette compétence qui transforme l'adversaire en Moa. Ah, il a re-TP. Oh là, oui, on est en train de se faire enfoncer sur CBE, dis donc. Quatrième en file. Bah, ça va. Putain, tous les gens qui du bus qui vont être en file, du coup, là. Vache. Ah, c'est pas cool, ça. Ouais, Q, tu m'étonnes, Q. Oh la vache. Oh la vache, on se fait défoncer. Alors, ceci dit, c'était pas forcément. On pourrait être tenté de se dire, bah forcément on quitte la map, on va chez les verts ils en profitent, ils capent tout. Ouais, mais justement, maintenant on les a fait bouger. Donc ce qu'ils nous ont pris, on peut le reprendre. Et peut-être qu'ils auraient poussé sur Belvédère, on sait pas. Et je vais remonter toujours encore un petit peu le son en question, parce que si ça n'a pas été évident. Audio du bureau, non, c'est ça. Propriété audio avancée. Mic. Voilà, c'est ça. Rah. Voilà, ça devrait être bon. Alors, attends. Propriété audio avancée. Putain, pourtant, l'audio du bureau, il est à 20%. On va l'entendre plus que ça. 40, on va voir. Source active uniquement. Mono, non. Décalage de synchronisation, absolument pas.
Ouais, je règle les trucs en même temps, hein, parce que bah on est tous dans le même bateau. C'est mieux pour vous, c'est mieux pour moi, et inversement. Alors. Ah! Oui, je fais une semi-pause, je garde le casque, on continue de chatter, mais je bouge en même temps. Par exemple, je vais prendre du jus de cranberry, exactement. Alors, grosse arnaque ça, le cranberry. Dans le sens où. Enfin, pas une arnaque au niveau du produit, ça, il n'y a aucun souci, sinon d'ailleurs, je n'achèterai pas. Mais ça a un nom en français, ça s'appelle de la canneberge. Ou des canneberges. D'ailleurs, il y a de grandes chances que le mot cranberry provienne de canneberge. Alors, pas la partie berry, mais la partie crâne. Pour ceux qui veulent savoir quelle bile j'utilise. Oh mon Dieu, comme elle est belle, mais ce n'est pas le sujet. Voilà, donc normalement, les Tempestes méta en MCM, ils jouent les barres feu et... Ah, je sais plus. Feu et arcane? Alors, feu et eau pour les soigneurs. Sinon, peut-être feu et arcane pour les autres. Donc, moi, comme vous le voyez, hein, c'est terre-eau. Parce que l'idée à la base, c'est de partager les auras. Quand vous obtenez une aura, vous la conférez également à vos alliés à proximité. Il y a plein de sources d'auras différentes. Et surtout, de mettre la protection à tout le monde. La base du build, c'est de mettre la protection en boucle à tout le groupe. Et franchement, la différence, elle se sent. Quand t'es avec des gars qui font un peu de roaming et tout, qu'ont pas de protection pour eux, mais ça les fait beaucoup plus tanker, mine de rien, mais un tiers de dégâts en moins. Et là, vous voyez, il y a marqué dégâts subis moins 39, 39,5%. Mais c'est que pour moi. Les autres, c'est 33. Non, ça, c'est pas ça. C'est où? Attends, c'est où? Oui, les dégâts de frappe infligés par les alliés à proximité, les compétences d'armes terrestres se rechargent plus vite. Sans déconner. Ah, voilà. Les surcharges confèrent protection. Protection bénéficie d'une augmentation de la réduction des dégâts. Alors, je ne sais pas si l'efficacité augmentée, c'est que sur soi ou aussi sur les alliés. Mais sinon, ça veut dire que cette protection-là, la protection mise par un Tempest, si ça marche sur les alliés, je ne sais pas, je ne garantis pas. Si ça marche, ça veut dire que c'est la meilleure qualité de réduction des dégâts. Toute profession confondue, personne d'autre a ce perk-là. Enfin, je crois que le revenant a une amélioration. Ah non, pardon, c'est pas le revenant, c'est l'ingénieur. Mais c'est que sur soi. Là, pour le coup, j'en suis sûr. Là, la description est pas claire, elle ne le dit pas. C'est vraiment protection bénéficie d'une augmentation de la réduction des dégâts. Oui, mais la protection qu'on met ou la protection qu'on reçoit? C'est pas pareil. Hein. Et quand on voit qu'en plus on a les auras de givre, dégâts subis moins 10%, je sais pas dans quelle mesure ça se cumule. Si on peut faire une addition bête et méchante et que ça fait 49% et demi ou pas. Et il y a la bouffe aussi. Moins 10%. Donc je sais pas si ça fait 59% et demi ou si c'est du. On prend les dégâts de base et on fait voilà 10% de ce qui reste, ce qui ferait moins de 10% ou un truc comme ça. Ça, faudrait que je regarde. Mais en tout cas, la réduction des dégâts est énorme. Et on la met aussi aux coéquipiers. Hein. La bouffe, on peut la distribuer à tous les potes vu que c'est de l'élevé. Ça, peut-être. En tout cas, au moins moins 33% sur les coéquipiers. Et là, le moins 10%. Et il y a un cri que je pourrais utiliser à la place de ça. Ça, c'est mon bouton panique. Il me sert bien. Mais dans les faits, je pourrais l'enlever si je jouais parfaitement le build. Voilà, pour mettre ça en plus. Encore une aura d'ogive, dégâts subis moins 10%. Et je ne l'utilise pas, mais je pourrais utiliser ça. Bénéficier de régénération et d'aura d'ogive quand vous subissez un coup critique. Un coup critique. Ce qui veut dire, grâce à ça, que quand je subis un coup critique, je mets aura d'ogive aussi aux alliés à proximité. Et contrairement.
a plein de compétences qui vont mettre leur effet sur 5 alliés. Mais 5 alliés, y compris soi. Donc sur un groupe de 5. Là, voilà, quand vous appliquez une aura, vous la conférez également à vos alliés à proximité. Nombre de cibles, 5. Ça veut dire que si je me mets une aura sur moi, il y a 5 alliés qui l'ont. Donc c'est parfait pour un groupe de 6, on va dire. Le jour où tu t'organises ton groupe de 5 pour faire une sortie, un petit raid, et qu'il y a un sixième qui veut venir, bah voilà, s'il y a un aura mancien dans le groupe, il a du bénef. Équipement full céleste, ouais. Quoique pas les armes. Je crois que vu que le céleste c'est galère à crafter, je finirai par les faire, mais je crois que je suis en berserker sur les armes. Et au niveau de la rune, il y a plein de runes différentes qu'on peut utiliser. Là j'ai quoi? Rune du voyageur, voilà. Parce que c'est totalement dans l'état d'esprit du build. C'est les stats, c'est céleste aussi, c'est. Voilà. Durée d'altération plus 10, durée d'avantage plus 10. Et la vitesse de déplacement plus 25, ce qui n'est pas dégueu dans le sens où. Alors, j'ai moyen de me mettre rapidité. Par exemple avec ça. Mais avec d'autres choses aussi. Genre avec ça, la surcharge aussi, je crois. Je fais des explosions. Ça, c'est une zone de foudre, la surcharge. Donc, si elle n'est pas interrompue, en général, je fais l'explosion le 3 d'eau dedans. Pour mettre rapidité de zone. Hop, on va prendre un petit peu de mangeaille. Et on est reparti. Oh, Teto, bonjour, mon biquet. Comment ça va? Tiens, je te donne une aura pour la peine, parce que tu es gentil. S'il a essayé de m'inviter, ça n'a pas marché, parce que je suis déjà dans un groupe. Ah, ils font péter les défenses de Brume-Pierre. C'est pas bon pour nous. Oh, il y a du plus de verre là-bas. Ouais, on a vu un allié qui est tombé. En même temps que le plus de verre. Non, on va rester sur feu pour l'opener. On voit qu'avec le bombardement, on prend un petit peu de dégâts. C'est ouvert où? C'est ouvert là, ok. Je sais pas qui a popé les défenses chez eux, mais il l'a fait un peu vite, j'ai l'impression. Ah merde. Voilà, le truc qui met de la brûlure quand il traverse, on le met juste à côté d'eux, juste à côté de la porte. Ouais, non. Eux, ils sont à côté de la porte. Donc, c'est pas cool. Oui, mais si tu veux. Qui ça dérange? Pas moi. Hop là. Tiens, viens prendre un petit peu de brumisateur. Voilà. Par contre, s'ils font une sortie d'un coup, on est mal là. Voilà, qu'est-ce que je dis? Lui, j'aime pas quand il s'en mêle, le machin vétéran là. Ouais, non, non, ça arrive là. Alors. Ça dégage. Hop là. Ah mais j'ai toujours cette élite à utiliser. Je pense jamais à utiliser d'élite avec ce build. La rotation est déjà tellement propre sans. Ouais, par contre, ils vont nous courir après là. Au revoir, à plus tard.
Ok. C'était un risque de trop, mais c'est pas grave, au moins ça fait reculer un petit peu. Voilà, une petite aura magnétique, ça fait toujours plaisir pour la défense, avec du soin derrière. Ah, qu'est-ce que j'aime jouer dans une profession où on peut soigner aussi. Avoir le soin et les dégâts. C'est pour ça que j'aime beaucoup Firebrand également. Oh, il s'est fait grab le lead. Bah, j'ai envie de dire tant mieux. Parce qu'on va dans la bonne direction. Ok, le lead il veut continuer. Ah, petite immobilisation. Alors voilà, prends ton givre. Ouh, super vitesse, je sais pas qui l'a mise, mais merci. Et encore une fois, j'ai oublié de jouer mon élite. Oui, bah très bien. Ouf. Petit peu tendax. Ok. Voilà toi. Hop là. Ah, personne? Bah alors. Ah. Ok. À part là. Très bien. Très bien. Ok. Ah oui, ça c'est plein. Ouais, comment mon inventaire, c'est comme les verres, hein, quand ils sont vides. Quand il est vide, il se plaint. Et quand il est plein, bah, il se vide. Pourquoi il va là? Alors, j'ai 25 de ravite, donc j'ai pas besoin de rentrer pour le ravite. Hop, 7 plans de chariot à flèche, salut! Plante de l'aurore mage, non. Voilà, on voit un petit peu de trucs PVE aussi. Évidemment. Ça se vend bien les encodages fractaux, j'aime bien.
Dommage que les trèfles mystiques, ça se vende pas. Ah, merde. Et ça, les éclats d'obsidienne, dommage qu'il faille taper le nom pour s'en débarrasser, sinon je dégagerais beaucoup plus facilement. Ah, il insiste sur BP depuis tout à l'heure. Je suis pas forcément contre le projet, hein, parce qu'il y a peut-être un moment où ça peut marcher, mais... Qui c'est qui nous tape là? C'est lui? Qu'est-ce qu'il fait? Ok. J'ai absolument pas vu ce qui m'a frappé. Hein. Ouais, c'était pour le ravitaillement qu'on était là-bas. Ok. Allez, les gars, quelqu'un au bélier, s'il vous plaît. Moi, je suis armure légère, c'est pas à moi d'y aller. Voilà, merci. On va y aller, hein. Personne n'y va. Par contre, dès que ça va sortir, moi je suis en première ligne. Hein. Ouais, chef, faut y aller là. Hein. Est-ce qu'on contre-attaque ou pas? Là, au niveau du nombre, on peut. Alors, attends. Oh, mais l'élite, elle se combine pas mal avec ça. Ça fait un meilleur opener feu. Qui est un peu faiblard l'opener feu, on va pas se le cacher. Ah, un groupe guild. Ah, ça peut être drôle. Ouh, si on a l'appui d'un deuxième groupe et qu'il est structuré en plus. Ah mais attends, c'était toi qui l'as pris? Non, porte de Grèves, territoire du désert, ok. Bah on va lui poser la question, tiens. Chuchotement. T'as ouvert un tag, point d'interrogation? Parce que si c'est le cas, il est évident que je vais le rejoindre, c'est ma guilde. Alors bah je vais lui dire cool, j'arrive. Hop là. Merde. Tempeste clean Sita, me dit-il. Alors déjà faut que je sorte de combat. Alors j'ai Tempeste, là je suis en Tempeste mais pas en Tempeste clean. Je peux passer en Tempeste clean. Clean ça veut dire anti-condition. Donc d'ailleurs il dit clean mais c'est cleans. Clean SE à la fin. Ce qui veut dire plus ou moins purification, mais ça veut dire qu'il veut que je joue full support. Hop. Ça, ouais, ça. Voilà, cleans. Le voilà. Salut! Le build, là, je vais avoir le feu, il me semble, barre-feu. Voilà, feu. Ah non, pas du tout. Super, j'ai bien fait de vérifier. C'est la version PvE. Alors, feu. Hop, hop, hop. Terre, est-ce que c'est ça que je veux? Je crois pas. Ça oui, ça oui, ça oui. Ha!
Merde, je me souviens plus de la méta, ce que c'est. Alors ça, c'est clair et net, c'est ça. Je l'ai vérifié. Tchouk. Meta Battle. On va regarder ensemble. Welcome to Meta Battle, the largest database. Très bien prononcé, n'est-ce pas? Zerg, Meta. Alors je crois que c'est pas Meta justement, c'est juste en dessous. C'est dans les Great. Putain, même pas. La vache, ouais, ça va remonter avec la mise à jour, hein, c'est sûr. Sans déconner. Ce serait une faute de goût de l'avoir sorti là, les gars. Staff backline. Ah non, bah voilà, à la Corachère. Ah ouais, il joue pas en double dague. Bah moi je vais jouer en double dague, hein, désolé les gars. Utility, c'est ça? Revive allies with different attunements effect. Non. Non, je vais pas utiliser ça, non. Shortest CD shout for slightly more heal cleans. Ouais, c'est ça qu'on va faire. C'est l'eau. Là. Ok. Putain, il fait aura cher, tiens. Il met pas cleansing water. Me surprend un peu. Quand même. Bon, bah très bien. Oh. Voilà, parce que ça, c'est quand même pété. Dissipe les altérations affectant les alliés lorsque vous conférez régénération. On est déjà très. Non, mais j'ai utilisé ça, moi. Ah, ouf. Bref, non, allez, Bunche, aura cher, très bien. Allez, voilà, on ne se pose pas de questions. Voilà, je suis en cleans. Est-ce que ça te plaît comme ça? Par contre, c'est complètement con de mettre en parallèle avec un scrapper qui est déjà en cleans à fond. Tu dis, je joue sur ton canapé. Ouais, je joue totalement sur mon canapé. Mon setup. Bah écoute, là, je joue sur ma télé, pour rien te cacher. J'ai mon PC portable, le Asus, qui est à côté, qui est relié à la télé. Voilà mon setup. C'est Logitech Combo. C'est le truc de bureautique de base. Il n'y a aucune touche programmable sur la souris. Tout est sans fil. Oh mon dieu, mais je vais avoir du lag, mais je vais donc mourir en boucle. Ouais, ou pas, en fait. Ouais, je joue sur le canap. Disons que. Comment dire? Je prends le jeu au sérieux, il n'y a pas de souci, surtout quand je joue avec des alliés qui forcément comptent sur moi aussi. Mais il y a prendre au sérieux et se prendre la tête. C'est voilà, ça reste un loisir. Alors, fruits à la menthe, oui, tout à fait. Ah mais je sais que les gars qui sont un petit peu en mode, oh mon dieu, le setup c'est vraiment important. Ils voient ça, ils sont. Mais c'est pareil, hein, y en a, ils me voient cliquer certaines compétences, ils sont là, non mais ça c'est noob à 2000%. Alors que bon, pourtant, ça va, on se débrouille. Bon, bon j'allais dire, on devrait être pas mal. Ouais, alors, on a combien de DPS? 1, 2, 3. Voilà, il m'a mis là à la place à la place d'un scrap. Ça c'est normal. Est-ce que j'ai la bonne rune au moins? Rune de fantassin, tout à fait. Supprime une altération à chaque allié affecté si vous utilisez une compétence de cri. C'est exactement ça. Et c'est de l'exotique puisque comme je vous disais tout à l'heure, j'ai une armure élevée par personnage. Et donc là, c'est pas mon main ce build. Mon main c'est un Tempeste mais c'est pas celui-là. C'est le Céleste. D'ailleurs c'est pas que le Tempeste, c'est le build, l'armure, les stats célestes, cet équipement-là, le double dague, je l'utilise pas que en Tempeste. La dernière spé élite est très très bonne aussi parce qu'elle a pas mal de stab. On verra justement avec les cris si le Tempeste est pas aussi ne rattrape pas un petit peu la dernière spé élite en termes de stab, voire la dépasse.
On verra ça. Alors, quand j'ai dit qu'il n'y a pas de bouton programmable, j'ai un peu menti. Il y a le clic de la molette qui est programmable. Et d'ailleurs, il est programmé. Dessus, j'ai la suppression temporaire du ciblage automatique. Ce qui me sert beaucoup pour les compétences de mobilité, mais qui cible aussi un ennemi. Typiquement, alors j'explique ce que je raconte. Ça, c'est une compétence. Ah, mais je suis encore au corps de guerre là. Ah, d'accord, pourquoi pas. Ça, typiquement, c'est une compétence de mobilité qui ne cible pas les ennemis. C'est-à-dire là, voilà, l'ennemi il est là. Là, il y en a encore un petit. Imaginons qu'ils soient encore vivants. Si je joue un truc qui cible un allié, un ennemi, pardon, ça va me faire aller dessus. Là, pas du tout. Ça me fait aller tout droit quoi qu'il arrive. Par contre. On va le remettre 2 secondes. Par contre, cette compétence-là, elle, s'il y a un ennemi dans le coin, ça le cible et je lui fonce dessus. Sauf si je maintiens enfoncé le clic de la molette. Du coup, là, ça fait de la mobilité tout droit, ça ne cible pas l'ennemi. L'intérêt, c'est justement de pouvoir utiliser les compétences de mobilité pour leur mobilité. Sans avoir bah voilà à foncer sur un ennemi. Si le but c'est de bouger, bah très bien quoi. Ok, ouais, on va le jouer au corps de guerre. Pourquoi pas? Ah, quoique, en fait, l'intérêt de le jouer à la double dague, en fait, ce serait pour la transmutation. Là, on aurait là une transmutation d'aura. Ce qui serait très très bien. Là, pour la transmutation d'aura, on est obligé d'aller sur l'air. Ce qui est pas ouf. Parce que, ben, en plein combat, quand j'ai envie d'enlever les conditions, tout ça, ben, général, je suis sur l'eau, quoi. Par contre, je pense que j'ai pas de deuxième dague support. Attends, j'ai quoi là? Non, le corps de guerre, il est support. L'autre, il est précision, vitalité, guérison. Non, j'aurais pas de deuxième dague comme il faut. Bon, c'est pas grave, le corps de guerre il fait le taf aussi. Non, ça c'est Berserker. Ok. Tu vois, mon tapis de souris aussi, qui fait partie du setup. Il est tout rond, il est joli, c'est un yin-yang. C'est un tapis de souris. Où est-ce que je récupère ça? Une entreprise de IT, Information Technology. IT Systems, SQL, Terra 7, je sais pas ce que c'est. Ça devait être des gars qui faisaient de l'informatique. Avec une boîte dans laquelle je bossais, un truc comme ça. J'espère que ça ne t'a pas choqué, Mr. Sun. Ah oui, je joue avec le clavier posé sur les genoux, les pieds croisés sur le fauteuil en face. Je sais pas si vous voyez le streamer Mookie, qui c'est Mookie Nalia, qui est stream de Guild Wars 2. À chaque fois que je le raid, il est là. Tiens, c'est la team canapé qui arrive. Parce que oui, je sais qu'il y en a plus d'un que ça marque comme setup. Je sais pas quel est son but. En fait, je crois que le but de notre lead là. Attends, je représente la bonne guilde au fait. Ouais. C'était. Le but c'était de mettre les PU sur la P2 de Crypt pendant que nous on va sur Palais. Comme ça, on essaye de faire les deux en même temps. Outer open, blues on inner. Ok. C'est vraiment dommage que le 4 du corps de guerre ce soit pas une transmutation. C'est vraiment vraiment dommage. Ah, on vient défendre ici. Ok.
On attaque et creep, mais ici on défend. Ok. C'est bon, ça nous suit pas. Et j'aime bien le fait que ArenaNet ait ajouté cette grosse souris là, qu'on voit bien. Pour le MCM, c'est indispensable. Hein. Au moins le contour, pas forcément le rond autour, mais au moins le contour. Pourquoi j'utilise ça, moi? Ah, non, faudrait que je passe sur O. Non, pas sur O, fallait avec le corps de guerre, j'avais le 4 pour qu'on feuille pouvoir. Fait longtemps que j'ai pas joué le corps de guerre, je l'ai joué pendant très très longtemps. La petite explosion l'est faite. Là, le pouvoir, on partage. L'air, on partage. Sympa. Voilà pourquoi je tiens à jouer avec protection aussi. Pourquoi je joue avec la barre de terre? Parce qu'en armure légère. Beau avoir des stats full support, voilà, il y a un petit groupe qui se fait des pop. Ah, ça c'est vexant, repasser quand il y a encore la bouffe, c'est un petit peu vexant. Eh ouais, on y retourne, on va fonctionner les petites pattes. Tiens, XPM plus 186, pourquoi? C'est pour un mur ou un truc comme ça, non? Ou une porte? Est-ce que c'est pour la porte que j'ai tapée tout à l'heure au bélier sur Brumepierre? Ce serait une bonne nouvelle, ça voudrait dire qu'on vient de l'ouvrir. Je vois pas de croix. Ok. Elle a pas pris le chemin le plus court en plus. Ouais, le tag est toujours pas des pop, hein. Ok. Aïe aïe aïe. Là par contre, il y a de l'impact. Voyez le groupe 1 là, ce qui prend. Bam. Il y en a 3 qui sont tombés en même temps, y compris le lead. Voilà, plus 2 bleus. Le lead va pas avoir le choix, il va devoir se TP. Voilà, le groupe 2 est mort. On va devoir se TP. Et on a perdu le fort. Bah, allez, on se TP quand même. Tiens, on a des golems. Est-ce qu'on a repris crypte au moins? Oui. Voilà, et pour info, si j'utilise aussi ce setup, c'est-à-dire le combo machin, alors sans fil déjà pour pouvoir être dans le canap. Mais c'est aussi parce que c'est un seul récepteur USB. Plutôt que d'avoir un récepteur pour la souris et un pour le clavier. Voilà. Pour le moment, j'utilise toutes mes prises USB pour le stream. Ouais, pas, fera pas chier d'utiliser une multiprise, mais bon, je peux, hein. On passe après. Mais du coup, c'est voilà, c'est plus pratique pour moi. Ça utilise une prise de moins. Et le truc, il est intuable. Je l'ai depuis une éternité, c'est intuable ce combo Logitech là. Quoique, justement, que j'y pense. 30-30, je crois que c'est celui-là. Voilà, qu'il faudrait.
Le corps de guerre a ses avantages. Après, faudrait. J'aimerais vraiment le jouer en double dague quand même. Pour la transmutation qui est là. Qui est là, pardon. Bah, du coup, qui y est pas, mais qui y serait. Sinon. Après, voilà, chaque arme a ses avantages. Par exemple, le corps de guerre, bah, ça, c'est une zone. Une zone d'eau, zone de combo haut. Et on a deux explosions là. Enfin, on a celle-là là et celle-là là. Ça, quand il y a besoin de soigner un groupe, que tu balances ça comme ça. Voilà, double guérison de zone, ça au passage qui met des boons, qui enlève des condits. Voilà, cet ensemble-là, il fait du bien à un groupe. Entre autres choses, hein, il y a plein de choses intéressantes dedans, mais. Oh mon dieu! Oh mon dieu, non! Alors, je vous préviens, on a un lead qui aime bien charger contre des groupes qui sont plus nombreux. C'est les quoi? Ah, c'est les DOA, c'est une guilde aussi. Super. Ok, très bien. Bonjour, je suis un soigneur, je ne peux vous faire aucun dégât. Non, c'est. Ah bah, j'ai cru que c'était une illusion, tellement il foutait rien lui. Voilà, je voulais immobiliser les gars. Je vous le réimmobilise peut-être? Non. Autant dire qu'en soigneur, ça me sert pas. Si ce n'est à intimider, du genre il y a un groupe en face là, tu mets ça, ils sont là, oh encore une zone de plus qu'il va falloir contourner, ça fait chier. Alors que non, ça leur fait littéralement rien du tout. Ça leur chatouille les doigts de pied à peine. Voilà, bon bah là c'est mieux placé. Le premier impact tout à l'heure, on s'était fait sécher. Surtout moi, mais pas que moi. Là voilà, ça rehausse un peu la barre quand même. Par contre, le groupe 2 a perdu son scrap. Je sais pas pourquoi. Putain, il a 44 000, 41 000 d'expérience de jeu. La vache. J'ai l'impression d'être en no life et j'en ai même pas 20 000. Après, je les farme pas non plus. Hop là. Ça fait plaisir de jouer un petit peu le corps de guerre à nouveau. Ça met la régénération. Voilà, si je jouais avec ça. Alors déjà, ça mettrait la. Bah ça met de la régénération, donc ça enlèverait une condi de plus aux alliés. Les auras appliquent également régénération, donc ça leur mettrait doublement, ça retirerait deux conditions. Mais pourquoi je joue pas avec ça? Pourquoi le build de méta c'est ça? Parce que, alors, je suis le premier à défendre les auras.
Je trouve que c'est une défense superbe dans le sens où c'est une défense qu'on ne peut pas enlever. Donc ça permet de planifier bien sa défense. Mais si le but c'est de cleanse. Ah, ce serait plus performant quand même. Il y a plein de trucs qui mettent de la regen. Enfin plein. On a quoi. Ça met regen aussi. Ok. Là non, là non, là non, évidemment. Là non. Ça oui. Ça en met, mais sur moi ou sur les alliés? L'incantation au coup férié de guérison et régénération dans la zone ciblée. Putain, mais il faut tellement que j'utilise l'autre, quoi. Surtout que. Bon, les auras qu'on applique confèrent aussi régénération. Mais. Non, mais on va utiliser ça. Si le but c'est de cleanse, on va utiliser ça, c'est obligatoire. Pourtant, encore une fois, j'adore les mettre des auras. Mais là, il me considère comme un scrapper en fait. Le scrapper qui est complètement pété pour ce qui est de retirer des conditions. Donc si je veux être un petit peu au niveau du scrapper, faut que je sois full cleanse. Et à ce moment-là, fuck les auras un peu. Je croyais pas dire ça un jour, mais parce que j'adore les auras. Mais là, je suis à quoi? Ah oui, à une du fantassin, c'est vrai. Évidemment. Donc ça va retirer trois conditions. Une grâce à la rune, parce que c'est un cri. Une parce que ça met de la régénération de base. Et une autre parce que les auras mettent régénération et donc ça les met. Voilà, on met pouvoir sur les alliés parce que on fera pas beaucoup de dégâts nous-mêmes. On peut toujours mettre pouvoir et de la vulnérabilité là par exemple, même si sur un boss comme ça la vulnérabilité elle est collée à 25. Ah bon, je peux pas passer à travers avec ça, d'accord. Bah alors! Bon, au moins ça a été vite repris. Ça a été sympa la faille de tout à l'heure avec les bleus. Si on pouvait se les retrouver un petit peu. C'est un 47, je vais peut-être pas les jeter, on va les garder. Qu'est-ce que je peux têche? Ça, allez! Non, je déconne. Sans déconner, si je les jetterais, je verrais pas la différence. Hein. Mais on va pas le faire. Ah, il y en a qui vont rage quit la chaîne si je commence à jeter des trèfles mystiques. Fallait dépop leurs armes de siège, mais à part ça, c'est pas grave. Allez, go. La bouffe. Ouais, 47 minutes, c'est bon. Au pire, j'en ai, hein, je peux en repoper. En fait, j'ai trois compétences à jouer lorsqu'on fait nos explos fufu. Je suis en train d'y penser là. Alors déjà, je passe là-dessus. Hop, on se met un peu de rapidité sur le bâton. On rechange. Quand on est dans la zone de furtivité, sachant que là, la zone de furtivité. On n'a pas de scrapper, nous on n'en a pas. Nous, si on veut de la furtivité, faut qu'on fasse des explosions dedans. On a deux revenants. J'espère que les deux sont au marteau et qu'ils peuvent exploser dedans. Moi, faut que je fasse le 3. Le 3 de l'eau, le 4 du feu et le 4 de la terre. 3 de l'eau, 4 du feu, 4 de la terre. Ouais. Il y avait une zone, ça fait zone de dissipation des altérations. C'est pas grave. Venez là! Viens la racaille!
Alors par contre, sachez-le, comme l'élème, j'ai tendance à le jouer en céleste, voire avec des stats plus offensifs que ça, donc que j'ai tendance à le jouer agressif. Et parfois en full support, je m'emballe et je fonce dans le tas, je suis là, non mais c'est bon, je suis en support en fait, j'avais zappé. Pas de fufu. Pas de fufu. Je me prépare à jouer ça rapidement. Rapidement. Voilà, 2 de l'eau, 4 du feu, 4 de la terre. Oh putain, vite! Ok, l'attaque à distance, elle suffira pas. Oh, elle suffit pour en tomber un, mais un quoi. Donc si, si, ça suffit. J'étais médisant. Alors eux ils y vont, c'est parfait. Pendant que les autres croient qu'on se fait entuber. Mais on cross. On cross pas? On cross pas, ok. Voilà, là j'ai tendance à repartir sur la version offensive. En même temps c'est pas grave parce que même si je fais pas beaucoup de dégâts, il n'y a plus du tout besoin de soins. Qui c'est qu'il a fini avant que je le coup de Gracie? Ah, la guilde DOA qui a chargé en fufu pendant qu'on attirait l'attention, c'était parfait. Je sais pas combien ils sont les DOA, ils ont pas l'air hyper nombreux, hein, genre je dirais 12-15 comme nous. Hop. Ah bah le lead il a pris tout le monde de vitesse dis donc. Un problème à Nécropole ou c'est quoi l'idée? Nécropole. Éternel. Bah ça a pas l'air contesté mais en même temps c'est pas parce qu'il n'y a pas la croix qu'il n'y a pas de danger. Isvis, un open voice group. Il y a un gars qui demande si on est un groupe en vocal ouvert. Ah, mais non, on a tous le même tag de guild. C'est un indice! Putain, c'était quoi ce bug? Il est passé à travers le sol, il est remonté. J'ai rien compris. Interaction dissipée une, non. Voilà, il y a quelqu'un qui dit, voilà, le même gars qui demandait si on était ouvert. Notre chef lui fait, ouais, mais tu peux tourner autour, il n'y a pas de problème. Et quelqu'un d'autre de notre groupe qui lui fait oui, tu peux être un PU sacrificiel si tu le souhaites. Allez, plein de condis d'un coup, j'ai tout joué. Enfin, tout. Je joue plein de trucs. Mais il y a plein de trucs pour être relou, même pour participer aux jeux offensifs. Genre ça,
Ça assomme tout le monde en ligne droite et ça les tire sur une zone. Un petit peu comme le 5 de la hache du revenant, je crois. Il me semble. Ça fait beaucoup de dégâts quand il y a des dégâts, mais là j'en ai pas des masses. C'est une petite boule qui avance. Ça, pour les 1v1, c'est génial, sauf que le corps de guerre c'est nul à chier en 1v1. Mais si c'était bien, il y aurait ça. Tu commences à le jouer, cache un peu derrière. Si tu joues Weaver au bâton, tu vois de quoi je parle. Il y a deux compétences comme ça en Weaver au bâton, en tisseur. La RO et la RFE. Qui en plus peuvent être jouées l'une après l'autre, vu que les deux ont R. En tout cas, le 4 feu, il fait tellement plaisir. Alors. Parce que, ok, vous n'ayez pas remarqué, alors je vais commencer déjà, hop, on se remet un peu de vitesse. Le 4 feu, c'est vous bénéficiez de pouvoir, puis partagez vos avantages avec vos alliés. Quand partagez vos avantages, c'est pas tous vos avantages, c'est pouvoir et fureur. Alors fureur, c'est anecdotique pour le coup, mais c'est surtout pouvoir, c'est-à-dire que il y a le gardien qui me met 12 de pouvoir, moi avec cette compétence-là, ça m'en met 3 de plus, donc 15, et derrière, je les partage. Je partage 15 avec mon groupe, 15 de pouvoir. Mais ils ont déjà 12 en fait. Donc ils vont les 12 du gardien que moi je repartage. Donc mon groupe va se retrouver à 25. Le 4 du bâton du gardien plus ça. Alors j'ai pas eu le temps de jouer le premier là, mais ça fait totalement le café. Ça met le groupe. Ouais, les dégâts sont propres au niveau des DPS, ils font plaisir. Voilà, là, ça va contre-attaquer un peu. Ouais, ils ont pas grand-chose pour contre-attaquer là quand même. Voilà, je voulais juste l'immobiliser, mais il était déjà à terre. Ah, ça a fait 2000 dégâts quand même. Voilà, un bon petit raid guild comme on les aime. Franchement. Oui, j'ai infligé 177 points de dégâts, c'est magnifique. Ah, dans Guild Wars 1, 177 points de dégâts, ça aurait été complètement pété. Vu qu'on avait genre 500 PV. On avait 480 de base. Au niveau max, dans Guild Wars 2. Et après, selon les différents effets, tu pouvais soit monter à 600, soit descendre à 55. Ce qui avait son intérêt aussi, même si ça peut avoir l'air complètement con comme ça, hein, de dire ah, t'as 480 PV, tu l'as descendu à 55, c'est n'importe quoi. La plupart du temps, oui, mais dans certaines circonstances, c'était complètement pété aussi. Il y avait du farm en 55 HP, ceux qui s'en souviennent probablement avec tendresse. Ah, j'ai fait remonter une Madeleine de Proust là, pour ceux qui connaissent. Tam tadam, tam tadatam. Oh putain, ça sort. Et merde.
Ouais, j'ai plus grand chose en anti-condi, les gars. Hein. Je vous préviens, tout est en recharge. Ah, si, j'ai ça. Alors, on brumise pour garder les compétences qui soignent le plus. Genre ça, ça. Ah, ils l'ont pas pété en plus. Ah, ils l'ont même pas touché le bélier. Alors ça, c'est surprenant. Ah, je me suis fait séparer du groupe au début. Ah, ça sentait la loose. Mais finalement, ça s'est plutôt bien passé. C'est un peu overkill d'utiliser ça là, c'est pas grave. Putain, il y a une attaque de Condi là. Ça sert à rien de le claquer maintenant. T'as le gars qui nous suit depuis tout à l'heure, ouais, ça fait deux fois qu'il fait le PU sacrificiel, effectivement. Ouh, ils ont du spike sérieux à distance là. J'aime pas beaucoup ça. Ah, mais c'est vrai que j'ai la lacryté en plus. Ah, depuis la mage là. J'ai pas joué au corps de guerre depuis la lacryté. Ok, donc on va garder ça comme ça. L'intérêt de ça, c'est que ça peut heal quand je suis pas sur l'eau. Allez, reprends. Voilà, reprends ton alacrité. En plus, quand je passe en eau, j'enlève une condition aux alliés. Donc c'est pas inutile d'être sur autre chose que l'eau pour pouvoir y revenir. Salut Raichu. Tu dis, j'ai été confronté au build de One Shot Rifle du guerrier récemment. Le gars fait du 20K dégâts imbloquables à 1200 de range. As-tu déjà testé ce build? Non, j'ai un build de rifle, justement, en jure-lame, qui me plaît bien, qui est bien fun, mais c'est pas du one shot. Alors attends. Non. Quel con. Alors, on va pas avoir assez de fufu là. Est-ce que j'imagine qu'il utilise à la fois pouvoir au max et infirmité, pas infirmité. Attends, on parlera après. Pouvoir au max et vulnérabilité au max avec les cris entre autres. J'imagine. En tout cas, j'ai jamais vu ce build. Mais ça m'intéresse, ça peut être marrant. Sans charge de pouvoir. Ouh. T'as un 20K imbloquable sans charge de pouvoir. Waouh. Je sais pas comment il fait. En cumulant tous les trucs qui font des dégâts, ça semble péter. Hein. Alors, on partage le pouvoir. Tant qu'on y est, on en remet. Et ça mettra de la lacryté au passage. L'arrivée de l'alacrité sur les surcharges, ça change un petit peu la donne. Par contre, normalement, je devrais probablement utiliser autre chose que l'alacrité. Là, je préfère l'utiliser. Là, mais je devrais sans doute utiliser ça. Enfin, je devrais. Je pense que c'est ce que le build de méta utilise. Voilà, et du coup, je suis un peu con, j'ai loupé. Évidemment, les deux combos que je fais, c'est sur la zone de
Une zone de foudre. Merci le revenant Camisa quand on faisait les explos. Hop là. Ce qu'il faudrait que je pas que je fasse, ce serait pas plus safe de faire le 3 d'abord, le 4 ensuite, comme ça j'ai fait les deux explos. Les zones de fumée sont pas terminées à ce moment-là. Parce que la troisième elle passe juste. Hein. La troisième compétence. Celle-là, si j'intercale le 4 feu, le 4 terre, il passe juste. Ce serait peut-être plus safe de jouer. Ou ok, bah déjà ce serait peut-être plus safe de passer en eau là. Putain, les deux zones, les deux bulles pétées d'un coup, c'est pas con. Enfin, disons, c'est une solution possible, quoi. Voilà, à partir du moment où on a pris l'avantage, je suis passé sur du contrôle sur la barre R. Et là, j'utilise hors combat, c'est pour mettre l'alacrité, surtout au lead, pour que ses compétences rechargent plus vite. Pas que lui, mais surtout lui. Bonjour. Connaissez-vous les témoins de Jéhovah? Ah. Viens prendre ton alacrité, mon viquet. Voilà qui est fait. Petite rapidité. Ouais, autant le dag est fun. Ah, mais attends. L'application d'une aura aux alliés dissipe les altérations. Ok. Donc lui, il dissipe une parce que c'est un cri, une parce que c'est une aura, une parce qu'il met régénération, et une deuxième parce que comme c'est une aura, il y a une double régénération. Donc il supprime 4 condits de groupe en fait. Je pense. Où tu vas, poteau? Ah d'accord. Faut voir si le double, si le régénération, ça trigger deux fois. Parce qu'on l'a, techniquement, on met régénération deux fois. Après, est-ce que ça trigger deux fois le fait de retirer des condits? Mais je comprends mieux le ça. D'ailleurs, on va le mettre. Ah oui, les auras retirent des condits, j'avais oublié ça. Vu que je joue jamais avec la barre feu. On va passer là-dessus. Mais je pense pas que ça trigger deux fois, il me semble que j'avais vérifié. Ah oui, donc quand je peux à nouveau refaire des combos pour enlever des condits, ça c'est bien aussi. Ouais, totalement, on va rester comme ça. Ce qui veut dire aussi que quand je suis sur la barre d'air, je suis pas mal au niveau du soin. Si j'ai ça de recharger, j'ai le soin brut, j'ai la transmutation et les auras là, donc je peux faire. En plus, je peux la transmuter trois fois, elle. Je m'explique. Bam, surcharge, ça passe en transmutation. Je transmute. Je me la remets, ça leur remet. Je retransmute. Je joue ça. Je joue deux trucs là au passage. Allez, il y a besoin de soins. Hop, un peu de soins. Hop. Voilà, et là, je peux retransmuter à nouveau. Et je rejoue ça. Bam, je peux retransmuter.
Et je peux rejouer ça. Et retransmuter. Et à chaque fois que je transmute, c'est deux condis supprimés sur les alliés autour. Donc il y a moyen d'avoir du support pas dégueulasse du tout. En étant absolument pas sur la barre haut. Ok. Tiens, bah un allié là, qu'est-ce qu'il fait? Bonjour, c'est le facteur. Oui, on jette des trucs, on jette des trucs. C'est dommage qu'il faille taper le nom, sinon je m'en débarrasserais, mais systématiquement. Non, là, tous les matériaux, c'est plein. Ça, c'est très très bien. Éclat de marque de grand maître. Pierre de feu. Voilà pour recyclable. Sans balai steak de ça. Votre quoi? Ah, votre monde possède la soif de sang des territoires frontaliers. Très bien. Alors, le steak, on ne joue pas avec la nourriture, mais quand même. Allez, ça pareil, ça ne m'intéresse pas. Ouais, je suis pas un mec du loot. Hein. Enfin, je ne suis plus un mec du loot, on va dire. Ah, la petite zone d'envoûte, là, je la veux bien plus tard en combat. Pour faire une explos dedans et mettre l'aura du chaos de zone. Qui du coup va retirer une condition. Ok. Ah merde. Je suis en train de prendre Chiro. Alors le lead est là. Ouais, plus que le lead debout. Hein. Est-il encore debout? Oui. Allez, super vitesse, si je peux. Alors on met ça. Ouais, ça va pas suffire. Éloignez-vous de mon lead, venez me chercher par là. T'as le mec super discret en haut des escaliers, c'est bon, personne va me voir. Ah là là. Ah, c'est contesté, c'est contesté, c'est contesté. Putain, il y a une croix en plus. Je pense que le lead est au courant. Et tu m'intrigues, Raichu, avec tes questions de 20K. Imbloquable, sans charge de pouvoir. Alors, tu dis, t'as été confronté au build de one shot, d'accord. Mais, t'étais en quoi? T'étais genre en voleur à armure légère avec zéro de robustesse? Ou, c'était quoi l'idée? Oh, y'a un Gods. Ah, mais non, c'est Exodus of the Elder Dragons, c'est pas God Among Mortals, d'accord. Hop, par là, par là. Ok, très bien. Ah! J'arrive les amis, j'arrive. Bon, c'est plus la peine, mais j'arrive quand même.
Ok, lui c'est bon. Bah on est bien là. Hop. Tu rêves vite, effectivement. 22. Est-ce que j'ai réussi à en prendre 2? Non, même. Oh putain. Attention, attention. Le groupe bleu est là. Attention. Oui, ils sont nombreux sur le radar. Tu vois ce qu'il fout lui, qui s'il veut désarçonner quelqu'un? Allez, mon biquet! Ça, mais personne s'en sert jamais. C'est vraiment du détail. Hein. D'accord. Ah d'accord. Ça cessait en boucle. Mais j'ai envie de leur dire, veuillez cesser. J'ai pas senti très soutenu, très franchement, au niveau de. Au niveau de. Voilà, oui, on va considérer que la phrase est complète. Non, et puis pourquoi pas, je peux finir cette phrase un autre jour, hein, ce n'est pas un scandale. Ouais, les alliés, c'est maintenant qu'il faut venir là. C'est pas qu'on se sera fait rouler dessus. Ouais, c'était le bordel. Je me suis fait. Comment dire? Déplacer dès le début. Et après, j'ai galéré pour me remettre sur un placement cohérent. D'accord. Ah donc non, vous le prenez comme ça. Tiens, prends ça, bâtard. Ouais, c'est agressif et inutilement, mais au bout d'un moment, c'est Guild Wars, quoi. Ah non, mais moi je suis en support, mais je vais vous chasser, les gars. Y a aucun souci avec ça. Tiens, prends ça, je t'ai infligé 50 points de dégâts, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Voilà. Bon. Retournons au lead. Ah, c'est comme les chats, zéro dégâts, mais tout dans l'intimidation. Ah mais c'est vrai que quand je switch en feu, ça me met une aura. Et donc du coup je la mets aux alliés et donc du coup je leur enlève une condition. Donc c'est toujours peut toujours être utile de passer en feu gratos comme ça parce que quoi. Ok. Très très bien. Très très bueno, bonita. J'aurai le comment ça s'appelle? Le focus, je crois. J'aurai une transmutation de feu. En 4 ou en 5, en 5. Ce qui serait un énorme combo, évidemment, avec le fait d'avoir une aura de feu chaque fois que je passe en feu. Mais au bout d'un moment, faut faire des choix. Et le corps de guerre a été inventé littéralement pour le support. C'est l'arme du Tempest. Mais j'aime bien, les devs ils se plantent rarement sur le fait justement de faire une arme qui soit adaptée à la nouvelle spé, évidemment, qui lui soit propre, mais qui en même temps soit pas n'écrase pas en termes de performance l'utilisation de la spé avec les autres armes. Ça doit être super difficile à équilibrer, c'est quelque chose que je trouve qu'ils font assez bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je suis assez, assez d'accord avec moi-même sur le sujet. On a commencé depuis combien de temps, hein? Ah, déjà? La vache, c'est passé vite. Oui, on n'entend plus le jeu parce que je suis sur le bureau. Voilà.
On verra quand les cris mettront stabilité. Parce que là, je suis en full cri. Donc, quand ils mettront la stab en plus. D'ailleurs, je pourrais utiliser ça là. Confère pouvoir aux alliés et faiblesse aux ennemis. Ok, ouais, mais. Mais non! Pendant un moment, ils voulaient le rendre indispensable, l'élème, entre guillemets. Ce perk-là, l'effet, il se faisait sur 10 cibles. Donc tu le mettais sur deux groupes de ta team. Donc ils encourageaient totalement à faire genre un scrapper, un élème, un scrapper, un élème, un scrapper, un élème, pour la backline anti-condi. En tout cas, c'était cohérent comme idée. Mais ils ont changé leur fusil d'épaule. C'est une proposition que les joueurs ont ignorée. Putain, mais je peux leur mettre ça, moi. J'oublie à chaque fois hein, la crité que je peux leur mettre. Par contre, c'est vrai que le build est complètement pété. Hein. La rapidité, je veux bien. Ok, il avait l'air d'être prêt à mettre de la surprise, mais apparemment c'est bon, il n'y a pas de surprise. Hop là. Ok. C'est vraiment. Ça se joue à peu de choses, hein. Le fait de vouloir le jouer avec le corps de guerre ou une deuxième dague, ou le focus. Ça se joue vraiment à très 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 peu de choses. Là, pour le moment, c'est une question plus de préférence personnelle, et d'habitude, on va dire. Et de foi en le fait que les développeurs ont mis une très bonne arme avec leur spé, pour aller avec leur spé, justement. Mais si quelqu'un me dit non, moi ce que je trouve le mieux c'est double dague, je vois pas bien ce que je pourrais lui opposer comme argument. Avoir une transmutation d'aura de givre sur la barre d'eau. Je ne parle pas de Brigitte. Voilà, d'avoir une transmutation d'aura de givre ici, putain, ce serait pété. Hein. Le truc c'est que bah voilà, moi j'ai la zone de combo eux, qu'ils n'auront pas en double dague. Est-ce que je joue la zone de combo ou pas?
Sachant qu'il y a aussi une très bonne compétence ici en double dague, ici, c'est ça soigne et ça enlève 3 altérations sur les alliés. Donc, ah, juste très bien. En fait, la question, c'est pas de savoir quel est le meilleur build. Là, ils sont tous excellents, que ce soit focus, double dague ou corps. J'y réfléchis depuis tout à l'heure et je suis là, ah ouais, ça c'est génial. Ah oui, mais ça sur l'autre arme, c'est génial aussi. Ah ouais, mais ça aussi, c'est génial. Voilà, les trois sont excellents. Par contre, la question, c'est lequel est le plus complémentaire du reste du groupe? C'est juste ça, en fait. C'est ça qui détermine le choix. Y a pas de mauvais choix entre deuxième dague, focus et corps de guerre. Ouais, le focus, il a des trucs bien. Des défenses personnelles en terre. Un blocage de projectiles et un KD, un knockdown, un truc à somme, en air. Il a la transmutation d'aura en feu. Bon, et pour le coup, une zone de feu qui sert à rien. Et en eau, il a quoi? Il a un KD et. Ah, pour le coup, je crois que c'est de la merde en eau, le focus. Ah, c'est quoi le 4 du focus? Ah ouais, juste un truc qui met du givre. Ok, c'est de la merde. Enfin, bien utilisé dans un certain contexte, ça peut être bien, mais quand t'es en support comme ça n'a aucun intérêt. Alors, ce qui est dommage, vu que on reste quand même souvent en eau. J'ai tendance à dire le focus moins, mais ok, il y avait genre un gars tout seul, deux gars. Ah non, ils sont là. Ils s'étaient cachés comme les steaks. Ouais, prévenu, c'est humour de daron. Le cacher comme les steaks, je le dirai jusqu'à ma mort, y a aucun souci. En l'an 2884, à ma mort d'ailleurs. Pas avant, je refuse. Ouais, même déjà, c'est limite, c'est juste. Je pense qu'en 2884, je dirais bon, allez, encore jusqu'à l'an 12 000. Hop là. Cette zone-là est pas dégueu aussi, défensivement parlant, dans le sens où ça met aveuglement toutes les 2 secondes, alors pendant 5 secondes, mais en fait ça la met du coup 3 fois, et sur une espèce de zone. Je vous montre, c'est une zone qui s'étend. Voilà, première zone, deuxième zone, troisième zone, et à chaque fois ça le met pendant 2 secondes. Et ça, quand t'as un bus qui te charge. Ah, si tu le places bien, tu peux être relou. Et du coup, c'est toujours ça qu'il n'y a pas à soigner derrière. Aveuglement, c'est un peu la condition qui complète l'avantage Égide, en fait. C'est comme ça, ça a l'air d'être un peu de la merde, en mode ah, mais ça bloque qu'un truc. Ouais, mais là, c'est en zone et c'est une pulsation. Et ça vient compléter le reste. Hop là, plein, plein. Hop là, on va pas là. Fais-y comme ça. Ah! Bonjour! Je suis tellement là à chercher le 4. Mais pas lui, la chevauchée de l'éclair sur la double dague. Je suis tellement là à le chercher pour charger dans le tas. Je dis pas ça parce que il a pas bien suivi son régime. J'ai volé 10.
Ok. Bonjour. Parce que c'est un cri, parce que c'est une aura. Si j'étais en double dague, je pourrais transmuter ça. J'aurais 4 sources d'aura de givre en double dague. J'aurais la surcharge, j'aurais la compétence 4, j'aurais ça, et j'aurais ça éventuellement. Mais lui, il surcharge en 75 secondes, on peut pas vraiment considérer que ce soit qu'il entre dans la rotation. C'est bien prêter main forte, mais dire qu'il fait partie de la rotation, c'est compliqué. Tu dis, comment sais-tu que tu es efficace en tant que support, en tant qu'attaquant? Tu vois ton dommage par exemple. Alors là, j'utilise pas Arc DPS, mais Arc DPS a des options aussi pour voir justement le classement des du soin et du nombre de conditions enlevées, ce genre de choses-là. Et les builds LM comme ça ont généralement. C'est au moins autant que les scrappers en conditions enlevées. C'est au moins autant. Ce qui est totalement, totalement massif. Pour le soin en lui-même, je ne saurais pas dire avec exactitude. Non, c'était dans l'autre sens, crétin, hein. Ah, si, pourtant j'ai explosé au bon endroit. Ah, ça m'a mis l'aura de feu aussi, très bien. Ça aurait pu être un bon film dans les années 80-90, ça, l'aura de feu. La référence est ultra pointue, mais il y en a peut-être qui l'auront. Alors après, on voit le soin aussi là-dedans. Tiens. Là, vous soignez machin en utilisant ceci. Petit chiffre vert. Vous soignez agressive machin de 5659 en utilisant surcharge d'eau. Ok, ils ont changé de map. Ah bah dis donc, surcharge d'eau, ça soigne bien, hein? Ça fait pas semblant. Ok. 2 minutes break. 2 minutes break. Eh ben, on va faire pareil. On va faire un 2 minutes break. Voilà, je remontre ça. Hop. La seule chose qui me retient de passer sur le double dague, c'est à quel point j'adore buffer ma team de malades. Voilà, on va le buffer contre les vampires avec ça. Ça combine, mais de manière, comment dire, exquise avec le 4 du bâton du gardien. Je l'ai expliqué tout à l'heure, mais voilà, je le réexplique, hein. Le gardien met 12 de pouvoir sur la team. Moi, je partage le pouvoir que j'ai sur moi, donc que le gardien m'a donné. En plus de mettre. De mettre 6 de pouvoir. Donc, moi, du coup, je me retrouve avec 18 que je partage. Et les alliés ont 25 parce qu'ils ne peuvent pas avoir 30, évidemment. Ils ne peuvent pas avoir plus de 25. Donc, à la fin, tu fais juste le 4 du gardien et 7 compétences. Moi, j'ai 18 de pouvoir et le reste de la team a 25.
Et j'aime beaucoup. Voilà, je sais que si je jouais double dague, eh ben je l'aurais pas. Après, c'est toujours un choix. Est-ce que dans ma team. Ouais, dans ma team, j'ai deux revenants. J'ai un héros. Lui, il en met aussi du pouvoir. Le nécro, non. Ok, j'ai ça aussi qui partage le pouvoir. J'ai compétence que. Oui. Mais elle est un peu jaloux cette compétence. Chaque compétence que vous utilisez quand vous êtes en affinité avec le feu vous confère pouvoir. Au terme de l'affinité avec le feu ou en cas de surtension de feu, vous libérez une expulsion de flamme. Alors, l'expulsion de flamme, c'est. Justement, c'est ça qui est un peu complexe. Après quelques instants, vous consommez pouvoir sur vous-même. Donc moi, j'en ai pas plus besoin que ça vu que j'attaque pas trop. Et libérer un torrent de flammes, c'est-à-dire que les alliés obtiennent pouvoir, tandis que les dégâts et brûlures augmentent en fonction du pouvoir consommé. Bon, ça on s'en fiche. Mais pouvoir conféré par charge supprimée pendant 24 secondes. Ah d'accord. Charge de pouvoir maximum supprimée. Ok. Ça veut dire que quand je quitte le feu, ça me supprime 10 de pouvoir. Non, ça me supprime tout mon pouvoir. Non, attends. Non, maximum supprimé. Ça me supprime au maximum 10 charges de pouvoir que ça met sur les alliés autour. Donc ça combine encore plus avec ça, quoi. Ça fait une deuxième source, une troisième source, parce qu'il y a la surcharge aussi. Pour bien alimenter en pouvoir. Ouais, c'est pas mal. Mais j'ai tellement la version double dague céleste en tête que revenir sur une version comme ça, je redécouvre des trucs. Et si les cris mettent stab comme c'est prévu, ça va être encore plus incontournable le truc. Ça va être un mélange entre le gardien et le scrapper en fait. Ok, on va y retourner. Et on va rester sur le corps de guerre. Et on est reparti aussi pour vous se délecter de jus de. Jus de. J'ai dit tout à l'heure, cranberry en français, c'est. Canneberge. Si les ennemis ont caché le vol qui boune. Bah ouais, mais ça c'est valable pour tous les boons. C'est un peu le problème. Le cachet qui vole les boons, ouais, l'absorption quand vous le 3. Il est pété ce cachet. Il n'y a même pas de temps de recharge. Enfin, il y a un temps de recharge juste sur les ennemis qui ont une barrière. Super. Frais la menthe. Ok. Ah, j'utilise dans quasiment tous mes builds ce cachet. Ça, là. Ça, oui, peut-être. Concentration, c'était pas ça que je voulais, mais c'est pas grave. Hop. On va voir combien de temps ça dure, la stab qui va avec. Hop là. Après, le truc, c'est que le cachet qui vole les boons, il les vole en cas d'interruption. Donc, si t'as la stab, t'es pas interrompu. C'est le seul défaut, entre guillemets, du cachet. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a un défaut. Parce que. Bah, c'était Esprit. D'ailleurs, Esprit TV, es-tu là? Je ne sais pas. Qui est un très gros joueur de PVP, un des tout meilleurs joueurs du jeu hein, en PVP. Je sais qu'il vient de temps en temps sur la chaîne, et je crois que c'est lui qui me disait, qui qualifiait ce saut de dinguerie, ce cachet. Mais je suis pas sûr que ce soit.
Attends, c'était lui qui me disait ça? C'était à propos du build. Je sais que lui, il l'utilisait dans la version MCM de l'augure qu'il m'avait passé, qui était dérivé du build PVP. Hop là. Ouais, si, par là. Il va s'en prendre un repère de... Ouais, voilà. Normal, sommet de Haute-Crag. J'allais dire repère de l'aube, ça n'a rien à voir. Ah merde, j'entends des explosions là-haut. Putain, ça commence à prendre du dégât. Merde, 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 merde. Faut que j'arrive vite. Désolé les gars. Je suis bientôt là, je suis bientôt là. Il y a combien d'XP lui? 27 000, ça devrait aller. Surtout lui, il peut prêter main forte au support, hein, le justicier. Ah bah il est tombé le justicier. Alors, je passe pas du bon côté là. J'ai vu que les ennemis étaient là. J'aurais pas dû passer par là. Bon, il est relevé, le justicier. Bonjour, désolé. J'ai été retenu. Comment dire? On avait un conf call. Tiens, prenez du pouvoir parce que pourquoi pas. Alors, je prépare. Ah, j'allais dire, je prépare une éventuelle explosion fufu, mais non, non. Là, on est repéré près de la tour. Donc, ça n'a aucun sens. Voilà, c'est toujours ça au passage. Voilà, je charge pouvoir, je le partage avec le 4. Putain, par contre, on combat sous les armes de siège là. C'est pas ouf. Par contre, lui, il retire plus de condi maintenant, depuis que j'ai enlevé ça. Bon, on va claquer ça maintenant parce qu'il y a trop de zones. Ah, je vais tomber ou pas? Ah si, peut-être. Je vais tomber. Non, ah bah non. Pas encore. Bientôt, mais pas encore. Voilà. Venez là, venez là, venez là. Alors, j'espère pas m'en tirer en venant là, hein. On est d'accord. J'espère juste attirer du monde. Voilà. Tant qu'il est sur moi, il est plus là-bas. Des infos sur les futurs patchs, alors oui. Ils vont nerfer et nerfer salement l'élite, le mantra élite du gardien. Ah, ils ont changé de map. Territoire du désert, ok. Et apparemment, ce serait que en PvE. Voilà, on a eu des. Quelqu'un tout à l'heure dans le chat qui disait que. Il y avait un dev sur un forum qui avait dit que ce serait pas en MCM. Moi j'avais vu sur les notes de patch que ce serait voilà un truc ArenaNet hein, officiel, que ce serait PvE et MCM. Mais donc on verra. Apparemment il va y avoir de la stab sur les cris. Je sais pas si c'est par un perk ou autre chose. Ou natif. Natif ça m'étonnerait quand même. Ce serait complètement pété. Je pense que ça va être ce perk-là qui va être mis à jour.
Utilisation d'un cri confère pouvoir aux alliés et inflige faiblesse aux ennemis. Je pense que ça va être là-dessus. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, ma foi. Ouais, si, ils vont buffer pas mal de classes DPS dégâts bruts, c'est-à-dire pas condi, en PvE. Voilà, pour équilibrer avec les builds BTS. BTS. Bien sûr, les builds BTS. Voilà. T'as fait quoi comme étude? J'ai fait un BTS condi, tout à fait. Voilà, mais les notes de patch sont super longues. Hein. Il y a énormément de choses. La plupart du temps, c'est du genre le multiplicateur de dégâts de telle compétence passe de 0,9 à 1,1. Voilà, la plupart du temps, c'est. Et en PvE seulement, la plupart du temps, c'est des trucs comme ça. Mais c'est pas que ça. Ils ont envie de changer un certain nombre de choses, j'ai l'impression. Coucou Hippocra, bienvenue à toi. Welcome, willkommen. Buenvenido. En la casa del Fab. Ok, go. Voilà, là, il va en plein milieu là, direct. Ouais, allez, on va l'utiliser maintenant quand même. Hein. Bon, on en a repop un certain nombre, dépop un certain nombre. Toujours ça. Est-ce qu'on peut passer? Ouais. Ah, pas con! Pas con! Bien joué la belette! Ouais, enfin, on a un peu laissé nos alliés dans la merde en attendant, mais pas con quand même! Allez, on passe en mode un peu agressif. Toi là-bas! Ok, très bien. La 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 la. Hop là. Ah, c'était bien cette petite fight. Hop là. Comment tu vas, Hippocra? Je ne sais pas si. Je me souviens plus, non, tu joues pas Elim, il me semble. Alors je confonds peut-être, désolé si c'est le cas, il me semblait que tu étais intéressé par voir du gameplay de Revenant aussi. Alors après, toutes les professions sont intéressantes, hein, c'est sûr. Mais je crois que c'était ça. Ça fait quelques temps que j'ai pas joué le Revenant, j'aurais pu le sortir ce soir, tiens. En même temps, les lemmes, je m'amuse tellement avec. Le Tempest, c'est vraiment une de mes spé élites préférées. Alors, oui, là, j'ai vu. Oh putain, oui, c'est pour ça, ok. J'ai vu mon groupe se barrer. J'ai été stun. Je me suis dit, tiens, on va claquer la super vitesse.
Pourquoi il y en a qui sont scoutés? Ah voilà, c'est bon. Alors, on prépare une sortie ou... Moi, je me prépare à jouer ça. Non, on va finir par le feu. Ah! Est-ce qu'il faut que je finisse par le feu ou pas? Ils sont combien? Oh putain, ils sont trop nombreux pour nous là. Je pense, hein. Pas con la baliste, pas con. D'ailleurs, notre lead est allé prêter main forte. Pas con du tout! C'est marrant, ils réagissent pas. Alors nous, on a ça pour re-rentrer si besoin, mais non, non, on a... Très bien, voilà. On a ce qu'il faut, là, il n'y a plus de raison de pas charger. Putain, j'étais un petit peu en retard, c'est un peu ma faute. Putain! Oh là, il y a eu du dégât dans l'équipe là. Oh putain, il y a un gardien qui est même plus là en fait. Ah, toujours pas de TP là, ça c'est gênant. Oh, on a perdu Palais. Et pas que Palais, malheureusement. Allez les guildies, on y retourne. Ouais, on sent qu'on fait partie d'un convoi. On voilà de quelques-uns qui sont tombés durant la fight. Ouh, et mon groupe, ils ont perdu le gardien aussi. Ouais, apparemment le gardien groupe 2, effectivement. Il a dit non. Alors les gars, allez-y si vous voulez. Ah putain, moi je suis en full support, faut pas que je me fasse gank. On va coller au... Non, c'est bon. On va coller au poteau. Tu dis oui pour le revenant, elle aime fun à jouer. Ouais. Ça c'est clair. Un jour, j'apprendrai le tissot. En plus, j'ai le build. Enfin, là, à une compétence près. Mais je sais laquelle, donc c'est bon. Alors, je veux pas dire, mais ça, c'est fait pour. Youhou! Hop, putain! Voilà. Ça me suit là? Non, c'est un petit mob. C'est la faune locale. Donc ça va. Ouais, dans la fight, je me suis mis un petit peu en retard. En fait, il faudrait que le 3 de l'eau, je l'utilise en dernier. Bah comme ça, je commence la fight sur la barre d'eau. Ah. Ah, très bien. C'est vrai. Ok, parfait. Hop là.
Bah, pour qu'on est tous dispersés? Dit-il alors qu'il n'y a qu'un seul gars qui est pas dans le groupe. Le gardien de la team 2 est plus là, hein. Ah bah non! Il y a quelqu'un qui est... Ok, Attends. Est-ce que c'est le draconnier qui est passé en support ou c'est le draconnier qui a déco? Je ne sais pas, ce n'est pas grave, mais au moins ils ont leur gardien. Bah, c'est bien. Ah non, non, feu d'abord. Feu d'abord. Vu que le 4 de la Terre, il étend la durée des boons. Ah, je joue tout d'un coup là. Ah, d'accord. Ah, j'ai plus d'anti. Ouais, j'étais limite le dernier de toute façon à tomber. La vache, la contre-attaque qu'ils ont claqué là. Le you. Alors en fait, non, exactement. Alors en fait, non, pas du tout. Alors, que fait notre Teto? Ou quand il est comme ça, je le connais. Les autres se regroupent pas autour, ça veut dire qu'il déco. Tiens, je te brumise, tu es un peu chaud. Ton brumisateur, je ne suis pas en train de te cracher dessus, ça n'a rien à voir. Ou quelqu'un qui claque une bulle gratos, ça doit vouloir dire qu'ils arrêtent, ouais. Thank you for raid, donc ça doit être ça. Dire, Guild Squad. Thanks team. Alors, le chef de squad est parti. Très bien. Enfin, très bien. Non, pas très bien. Moi, j'ai des chaud pour continuer un peu, hein. Taille poteau plus plus. Voilà. Qu'on va lui envoyer en MP. Bise, me dit-il. Je vais lui répondre. Super fun. L'élème cleans. Je remets ça quand tu veux. Bah, je disais que j'étais chaud pour continuer. Est-ce que justement je rejoindrais pas un peu le tag là? Histoire de faire. Parce que en général. Alors là je suis en dague corps. Mais je suis en full support là. Alors là il me répond parfait. Je lui dis voilà, LM Cleans, je remets ça quand tu veux. Il me répond parfait. Je vais lui dire surtout. Qu'a priori dans la mage du 23, les cris mettront stab. Ah bah il a déco. Bon bah tant pis. Carte. Est-ce que je repasserai pas sur le double dague pour faire le kikou un peu? Ah, le lead est là-bas. Mais il arrête aussi, pourquoi il bouge pas? Pourquoi tu bouges plus? Non, on va aller sur l'autre là-bas. Ouais, il y a deux tags jaunes. Dortmund, quoi, il s'appelle? Je m'avance peut-être un petit peu, mais je pense qu'il est germanique. Hop. Hop. Bam, double dague. Il recharge en combien, lui? 20. Et la transmutation? Oh, bon, en 2 secondes et demie. Super. Ah, il classe, lui. Ouais, j'utilise une élite à la con là, mais YOLO. Donc, quand t'es en YOLO, rien n'est à la con. Hop, 3 minutes. Ça vient d'être pris. Et ouais, comme j'expliquais pendant le stream justement, il y a plein de variantes viables pour l'élème support au niveau de la deuxième arme. La première, c'est quasiment toujours la dague. La deuxième, ça peut être le corps, ça peut être une deuxième dague, et ça peut être le focus. Qui par ailleurs est pas oufissime, le focus, on va pas se le cacher.
Ok. Pourquoi il est là? Oh mon Dieu! C'est contesté. Il y a du monde là. Allez, on va le faire. La dernière action du match. On va partir en YOLO. On va pas rejoindre le gala. On va voir une dernière fight. Oh oui. Oh oui, allez. Moi j'ai dit YOLO, hein. Alors, merci de ne pas repousser l'ennemi quand je suis en train de me le faire. Voilà. Bon, contre quelqu'un qui se défend pas, c'est sûr, c'est toujours plus facile. Sans déconner, cette élite, elle complète très bien l'huile, hein. C'est dommage qu'elle recharge en 3 minutes, putain, 3 minutes. C'est une honte. Elle ne peut pas être bloquée en plus, tiens, j'avais jamais fait gaffe ça. Nombre de cibles, 10. J'avais jamais fait gaffe non plus. Par contre, rayon 240, pour avoir 10 cibles dans un rayon de 240, faut vraiment plonger dans un groupe ultra paquet. Mais sans déconner, c'est classe, j'aime bien. Attends, tiens, viens là toi, je veux faire un test. Viens là, j'ai dit! Alors, mon cher machin de bronze, viens servir de cobaye. Ah, je vais te poursuivre pendant 30 secondes le temps que ça recharge, hein. C'est pas un souci. Alors, un draconier, il y a un gros burst, hein. Je peux me faire un petit peu fumer si j'y vais trop en mode confiant, genre, ouais, là, il dit que bronze. Non, non, faut faire gaffe quand même. Mais... il y a moyen. Là, normalement, il est en train de regarder derrière comme ça pour savoir quand éviter la lance. Celle-là. Bah, tu veux pas te battre? Bah, viens te battre! Bon, d'accord. Oh là là, t'es pas drôle. Sans déconner, le mec, il veut pas. Un petit 1v1, non? J'ai même pas la bonne bouffe, poteau. Normalement, si tu regardes ma bouffe, tu te dis, attends, il est un full soigneur pour qu'il va se battre. Bon, bah, d'accord. Bon, il peut pas se TP parce qu'on est en combat. Donc, je vais sortir de combat et revenir vers lui. Que mon intimidation serve à quelque chose, quand même. Bah moi j'avoue que moi aussi hein, quand j'étais en bronze et que je voyais un platine arriver pour un 1v1, des fois j'étais là ouais, flemme. Voilà, il s'est TP, au moins on l'aura pas rattrapé pour rien. Non parce que le relâcher dans la nature, aussi près de notre spawn et de trucs qu'on voudrait récupérer, non. Alors attends. Éclaireur de monstre, pas sûr qu'ils connaissent la différence pour la bouffe. Ouais, c'est possible, effectivement. Et surtout, ce que je dis était con parce que il voit que je l'agresse. Alors que personne va venir l'agresser, aucun full support va aller chercher un gars en disant ouais, vas-y, un 1v1, un 1v1. Non, 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 ça marche pas comme ça. Ça ne le fait pas. Enfin bref, allez, une dernière petite action quand même. On a fait un truc facile et un truc où finalement il s'est rien passé, donc... Ah, est-ce que l'endroit serait contesté là? Ok. Ne faisant pas partie du groupe, je ne me sens pas obligé de le suivre par là. On va aller au 95 Inner Gate Crypt 20 Green. Ok.
20 green, inner, 90%. Bonjour! Ah, mais ils peuvent être 20, je m'en fiche. Si j'arrive en premier, je leur rentre dans le lard. Bon, j'arrive pas en premier, malheureusement. Surtout s'ils sont juste à côté de la porte, tu peux rentrer dans le lard et au pire. Bah, en LM, ils te tombent, t'as toujours la forme nébuleuse derrière. Ah, ils sont là-bas. Oh, les gars! LOL! Ah non, mais moi je vais continuer à faire le débile, hein. C'est dans mon contrat. Ok, ça c'est remonté. Terre. On n'a rien vu. Ok, on va faire effectivement un petit peu le tour. Ah non, on peut faire le tour par là. Bon alors toi, je vais en finir maintenant, comme ça c'est fait. Voilà. Personne en haut? Ah là là. J'aime bien quand ça se passe comme ça, quand je confonds courage et témérité et que je meurs pas. Parce que là, on va pas se cacher, c'était pas courageux, c'était téméraire. C'était en mode je prends le risque de leur filer 2 points juste comme ça, quoi. Ah! Voilà, il s'est TP, très bien. Quand il y a un gars qui est à terre qui se TP pas, ça peut être toujours parce qu'il attend qu'il y ait un fufu qui vienne le raise. Surtout que sa vie était bien remontée déjà, il était quasiment raise. Mais là, c'est bon. J'aime bien. Donc, l'objectif de ce build, c'est de se promener en majuscule dans les AOE d'un bus juste pour rire. Le but de ce build, c'est de tout faire. D'ailleurs, j'utilise aussi en PvE. Il est très collectif dans le sens où il partage. Et Elite, on peut utiliser n'importe quoi. Il est très collectif dans le sens où il partage les auras, il met un petit peu de stab, il met protection, vigueur, régénération, alacrité, pouvoir et rapidité en boucle sur la team. Rapidité pas en boucle, je crois. Enfin, tout le reste. Et ouais, il est tip top. C'est la vieille expression quoi. Ah, il est tip top, Legends. Voilà, petit combo qui donne une aura, qui met ça aux alliés avec un petit peu de stab au passage. Merci. D'ailleurs, faut que je vois ça. Il y avait une esquive dedans. Ouais, esquive 1 seconde. Ok, c'est ça qui m'a permis de survivre. Alors, ce qui m'a permis de me promener dans les AOE, c'est aussi les dodges. À beaucoup d'endroits, j'étais en mode, ok, là je cross en double dodge. Et grâce à la vigueur que j'ai en boucle, ça me permet de le faire plus souvent. Voilà, non mais le jour où il nerfe ce build, je suis deg. Mais vraiment. Et d'ailleurs, Ezekiel, moi c'est ça que je jouerai hein, quand on sera la team à 3.
Oui, juillet, une élite raciale, c'est vraiment n'importe quoi, effectivement. Mais là, justement, j'ai vu nombre de cibles, 10, durée 15 secondes. Ah, je suis là, bah, si je me jette en plein milieu d'un bus, c'est parfait. Vu que le but, c'était, vas-y, YOLO, je charge dans le bus de 50 gars. Très bien, très très bien. Ça avait l'air de tirer encore un petit peu par là-bas. Ah, quand on sera à notre team. Voilà, si un jour on se fait. Alors, il y a déjà donc Ezekiel et Savatouk qui sont partants pour. Une fois qu'ils ont fini de restructurer le MCM, pour qu'on se fasse des sorties MCM entre nous. Parce que le problème du MCM, c'est que bah, si vous n'êtes pas sur le même serveur, bah, vous êtes zob. Et on n'est pas tous sur le même serveur, loin de là. Mais, hop, avec la restructuration du MCM, on sera plus rassemblés par guilde que par serveur. Donc à ce moment-là, l'idée, ce serait de faire, pas de faire, de revitaliser la guilde du maintenant, qui était ma guilde dans Guild Wars 1 et au début de Guild Wars 2. C'est une guilde qui. Ah bah, c'est une guilde, comment dire, elle va avoir le droit de boire de l'alcool maintenant. Elle a 18 ans, la guilde. Donc, on va la revitaliser un petit peu, parce que là, elle est plus ou moins en dormance. Et voilà, on se fera en des petites teams sympas. Et je pense que dans ces teams-là, moi, je jouerai ça. Ah, quel con! Ah bah voilà, c'est sur un fail monumental que va se finir ce stream. Non, me reste pas, poteau. C'est gentil, mais c'est pas la peine. Voilà, ça arrive de temps en temps. On saute en mode. Ouais, de toute façon, on domine la map, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais on domine pas la zone. Donc, pas de parachute, pas de deltaplane. On va dire merci quand même, parce qu'on est poli. Taille! Lol, c'était le fail du retour à l'humilité après le moment de je sais pas quoi, le moment de YOLO qui marche. Hop là. Donc bah merci, voilà, voilà, ça termine sur une chute exactement. Merci donc à ceux qui sont là, merci d'avoir été là, d'avoir regardé. Je rappelle également, j'ai une chaîne YouTube, et je le rappelle pour une raison précise, c'est que j'ai regardé récemment les critères pour monétiser ma chaîne YouTube. Putain, il faut 1000 abonnés. Je suis à jour 89, un truc comme ça. 87, je sais plus. Putain, je dois faire du follow-back, mais industriel pour arriver à 1000. Bon, faut aussi faire 4000 heures de visionnage sur les 12 derniers mois, mais ça devrait être bon. Qu'est-ce qu'elle est belle. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube aussi, CAVA Series, c'est pareil. Et donc, ben, du coup, les gars, j'ai envie de dire à la prochaine, et la prochaine, vous le savez, c'est toujours demain. Dans l'après-midi, je ne sais pas, peut-être du Super Mario Maker 2, parce que justement, c'est ça qui alimente, qui fait exploser les vues et le temps de visionnage de ma chaîne YouTube. Donc le Super Mario Maker 2, en plus, c'est fun, c'est ultra fun. Donc bah voilà, je vais peut-être revenir un petit peu là-dessus, en faire un petit peu cas pendant quelques temps. Et le soir, Guild Wars 2, comme d'hab. Voilà, désolé, Hippocrate est arrivé un petit peu tard, entre guillemets. Ouais, avant que je ne parte, Ezekiel, dis-moi. Bah, merci, Hippocra, merci, Raichu. Ah, Ezekiel, cadeau Guild Wars 2 aléatoire. Alors, j'ai mis aléatoire hein, dans le nom du truc, mais c'est pas du tout aléatoire. Attends, là, il y en a 47. Ouais, ça suffit pas. On va aller voir ailleurs sur le gardien. Je vais en avoir un bon stack, je pense. Ah, mais sinon, j'en avais au coffre. Voilà, 15 000 chaînes, on part sur un point de. Un taux de conversion de 100 points égale un souvenir de combat. Putain, 40. Comment ça? J'ai pas un stack ailleurs? Non. Ah bah voilà, 250, je me disais aussi.
Voilà, 100 points, un souvenir. Donc, 15 000 points, 150, et ça vaut dans les 30 PO, je pense. Ézéchiel, donc c'est... Ah oui, t'es pas connecté, mais... Putain, c'était quoi ton pseudo? Hakim Moussamba, un truc comme ça? Hakim Moussamba, c'était ça? Je me trompe pas, hein, je suis pas en train de l'envoyer à quelqu'un d'autre, c'est bien ça. N'a plus assez de souvenirs de combat, tu es preneur d'autres trucs, même si ça te va très bien. Ça te va très bien. Non, non, mais j'en ai à plus savoir qu'en foutre des souvenirs de combat. Alors, à plus savoir qu'en foutre, si. Si je les donnais pas, je les vendrais, ça me ferait plein de thunes. Mais non. Ouais, au pire, dans les 30 PO, il y a 100 gemmes, par exemple. Pour la même valeur, à peu près. Hop là. C'est bien toi, c'est bien toi. Allez, envoyez. Voilà, ouais, pour 15 000 points de chaîne. Les autres, prenez note. Et j'en ai encore plein de côté, donc il n'y a pas de souci. J'ai même des gemmes de côté. J'ai mis cadeau aléatoire, mais pour le moment, je manque d'inspiration, c'est toujours ça. Et je veux faire un truc où la valeur soit à peu près constante. Par exemple, à un moment, j'avais donné à Ezekiel, c'était les sacs de butin lourds. Je pensais que ça valait cher. Ah, pas Ezekiel, à Savatouk, pardon. Je pensais que ça valait cher, en fait, pas du tout. J'ai regardé la valeur, j'ai dit, ah, attends, je vais t'envoyer d'autres trucs parce que là. Là, c'était honteux, c'était pas un assez gros cadeau. Enfin bref, un tout grand merci. Eh ben, de rien, un grand merci à toi de regarder, de participer aussi sur le chat, d'être partant pour des trucs peut-être à l'avenir sur les builds, etc. Et je continue à réfléchir au build qui compléterait le mieux le rôdeur de Savatouk et le build d'Elem que j'ai joué ce soir. Je pense que ce sera un ingé scrapper offensif. Sinon, il y aurait éventuellement un spectre, mais c'est un autre délire. Bon, des bisous tout le monde. À la prochaine. Tchuss!